Bonjour tout le monde! Je J'ai pas vais laisser Marc faire l'intro aujourd'hui. de... Non, mais tu peux y aller. Je te laisse. Ok. Je te laisse continuer. On fait un essai aujourd'hui, mais c'est un échec. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au 27e épisode. On fait un gros podcast. Vive le Canada aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ça, on va revenir sur notre top 10 qu'on a publié aujourd'hui. Je suis bien excité. On a fait ça rapide parce qu'on avait, je pense qu'en 6 mois, on avait pas mal nos jeux frais en tête, surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont parus assez récemment. Aujourd'hui, je suis avec toute l'équipe. Fait que bonjour François, bonjour Marc, Hello. bonjour Kevin, bonjour Mel. Hello. Salut. Content de vous voir. Malheureusement, il y a des jeux qu'on aimerait parler, mais qu'on peut pas aujourd'hui. Fait qu'on va garder ça pendant 2 semaines. Oh, Kevin. On a le droit de dire le nom, par exemple. On a le droit de dire Ouais, on le peut dire que Kevin joue à Ghost of Tsushima. C'est tout ce Ça qu'on se peut dit dire. moins bien que Sekiro, je suis super déçu. Tu sais, ça dit bien, mais Ghost of Tsushima. Non, je. Non, c'est souvent. C'est C'est pas souvent. ça. Ben, tu vas trouver quelque chose d'ici la sortie, Ah, c'est ben, c'est sûr. sûr. C'est souvent au niveau C'est de Tsushima que ça bug quand tu le dis vite. Tsushima! Ça se dit mieux aigu, je pense. Tsushima! Ah ouais, c'est ça. Fait que j'y joue, mais c'est tout ce que je dis. OK. Ouais. Bye! On s'en parle en deux Moi, je joue à certains jeux VR, alors j'en parlerai dans pas trop longtemps aussi. Mais on va garder ça pour dans 2 semaines. Alors, je vais commencer. Moi, je vais parler de ma semaine. La semaine dernière, j'ai joué beaucoup à Trails of Cold Steel sur la Switch. Vous avez sûrement vu mon test passer. Écoute, c'est le même jeu que sur PS4, fait que je veux dire, j'ai pas recommencé, j'ai pas tout fait le jeu au complet encore. Mais c'est le fun, c'est, je veux dire, pour moi c'est un jeu mobile, alors retrouver le jeu, parce que j'avais joué sur Vita aux 2 premiers jeux, alors le retrouver sur PS, sur Switch, pour moi c'était une continuité. Petit ralentissement vraiment mineur en mode portable, mais sinon c'est un jeu qui se fait un peu vieux tranquillement là. C'est un jeu qui est sorti, c'est le même engin graphique depuis la PS3. Là, on arrive à la PS5, ça commence à moins bien vieillir, mais sur mobile, c'est moins pire. C'est comme si tu jouais un des nouveaux JRPG sur mobile. C'est moins beau qu'un Xenoblade, c'est moins beau qu'un Remastered, c'est-à-dire, c'est moins beau aussi qu'un Dragon Quest 11, mais quand même, l'histoire est toujours le fun, puis plein de références aux autres personnages. C'est un peu bizarre parce que tu joues à ce jeu-là, puis c'est le troisième jeu, les 2 premiers sont pas sur Switch. Alors, moi, j'ai senti que c'était un jeu pour moi parce que j'avais joué les 2 premiers sur Vita. Puis là, le troisième sur PS4, ça faisait un peu différent. Alors, revoir ce jeu-là sur mobile, c'est très plaisant. J'ai joué à Bioshock The Collection sur Switch aussi. J'ai eu le temps de terminer le premier jeu, faire la moitié du troisième, puis faire quelques heures dans le deuxième aussi. Vraiment, je suis super satisfait du résultat sur Switch. Je veux dire, c'est sûr que les graphiques sont un peu moins beaux que... Dans le temps, moi, j'avais joué sur un PC assez puissant, mais sinon, j'ai eu zéro bug, zéro... Excusez, je suis en train de perdre la voix. Oh. T'allais pas mourir maintenant, s'il te plaît. Non, ben écoute, je peux continuer pendant tout. Non, non, ça va. Ça va? Qui arrive? Oh, Il est inquiète-toi revivu. pas. Il est Je revivu. suis rien acquis. Fait que Il a Bioshock rien dit. The Collection, j'ai refait le premier entièrement. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai pas vu le temps passer. Et puis ensuite, je me suis lancé dans Pokémon Isle of Armor. Mel aussi a joué à ça récemment. C'est l'île solitaire de l'armure en français, si vous aimez mieux. C'est beaucoup trop Qui est dans long. le fond. Ouais. Qui est dans le fond. Ouais. C'est pas bon pour les SEO du site, là. Mais tout ça pour dire que le DLC, dans le fond, c'est la première partie de deux parce qu'il y aura le Crown Tundra qui va sortir dans quelques mois. On n'a pas de date encore pour la deuxième partie, mais on avait dit, je pense, automne, si je me trompe pas. Alors, Il y a des rumeurs pour novembre, mais on n'a pas de date exacte encore. Ouais, ben Ouais, exact. j'ai un Mel, feeling que ça va être novembre-décembre. peut-être. Mel, comment t'as aimé ça? T'as-tu apprécié? Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'extension s'imbrique vraiment très naturellement à Galar dans l'aventure principale. Fait qu'aussitôt qu'elle est installée, l'extension, il t'en reparle même plus. Fait que tu retrouves ton jeu principal, puis tu y vas ou tu y vas pas. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que les quêtes, au niveau scénaristique, les quêtes à suivre sont très courtes.
On a une mission, on a dans le fond, on est rendu maître Pokémon, donc on est invité sur Isole Armure pour aller affronter le maître du dojo là-bas, parce que c'est le dojo des maîtres, vraiment. Fait que, c'est une invitation spéciale qui est là-bas. Puis, il nous offre une série d'épreuves à compléter. Une fois que ces épreuves-là sont complétées, on a d'autres petites quêtes secondaires, mais vraiment pas beaucoup, peut-être genre 3-4. Puis, après ça, c'est tout, là, tu sais. Fait qu'après ça, on fait juste se promener. C'est des nouveaux Pokémon qui sont là, qui sont pas sur l'île principale. Fait que pour les... ceux qui veulent capturer des Pokémon, c'est parfait. Puis, ils nous ont même gâtés avec quelques éditions de certaines versions de Pokémon de Alola, donc ceux qui étaient dans Sun and Moon. Fait qu'il y en a quelques-uns là-dessus aussi à aller chercher par une quête spéciale aussi qu'il faut faire. Fait que pour ceux qui veulent collectionner, c'est parfait. Mais l'île est pas hyper grande, elle est quand même facile à faire le tour. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'antres pour faire des raids. Puis, on dirait que je me suis découverte une passion dans les raids, parce que là, j'en faisais plein, là, tu sais, puis j'en avais quasiment pas fait dans l'aventure principale. Parce que c'est là que tu peux acquérir un maximum d'expérience aussi pour tes Pokémon, pour ton équipe de Pokémon. Fait que c'est très cool. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Au niveau des raids, dans le fond, ben moi, il y en a un nombre limite à la fois sur l'île. Moi, je les ai comme tout terminé, puis là, j'étais comme, oh my god, j'aimerais ça en faire plus. Malheureusement, il faut que tu trouves des comment ils appellent déjà l'item. Il y a un item que tu peux faire pour faire apparaître des raids sur les. Ouais, un bonbon spécial où je me suis. Ouais, exact. Exact. Puis t'as un peu besoin de faire les raids pour faire apparaître plus de champignons pour faire. Pour débloquer la nouvelle forme qui est encore plus grand que les Dynamax parce que t'es rendu avec les Gigantamax. Fait que oui, exact. C'est comme la folie, là. Fait que ton Pokémon est encore plus gros. J'aime bien le nouveau Pokémon Kubfu qui est là, qui est vraiment très cool, qui est plein d'énergie et son évolution. J'aime le fait que c'est une grosse... L'île, dans le fond, c'est une grosse zone sauvage, donc où est-ce que t'as plein de Pokémon que tu peux attraper. Il y a une grosse variété, mais en termes de scénario et de mission, c'est très court. Je pense qu'en 10-12 heures, j'aurais fait le tour. Alors, c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est un DLC, c'est une première partie, mais... En fait, c'est une moitié de DLC, c'est même pas le DLC au complet, parce que quand tu achètes l'extension, c'est que tu as accès à lui, puis à celui qui va sortir à l'automne. Fait que dans le fond, on a juste fait la moitié de l'extension. Parce que c'est le premier aussi qui sort. Là. Ouais, mais je pense en tout cas, il me semble avoir lu à quelque part que le contenu, en termes de nombre de contenus, le contenu était beaucoup plus important sur Isle of Armor que le deuxième qui va arriver plus tard. Ils sont vrais. Parce qu'ils ont vraiment voulu te donner le paquet. Moi, c'est pas l'impression que j'ai parce que tous les gros légendaires qu'on a entendu parler sortent sur le prochain. Alors, comme les trois oiseaux légendaires de Kanto sont de retour avec des nouvelles versions, ils sortent tous dans le prochain. Il y a d'autres Pokémon légendaires qui ont été annoncés, comme l'espèce de lapin. Alors, je suis pas certain encore de ça. J'espère que ça va être au moins comparable ou plus long. J'espère pas que ça va être plus court parce que ça serait très, très court. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas énormément de détails sur ce qui va sortir à l'automne, à part le nom de l'île, puis un petit peu l'environnement, parce que ça va être plus dans les montagnes, je pense. Mais sinon, on n'avait pas tous les détails encore. Là, parce qu'il y avait eu un gros Pokémon direct en janvier où ils nous avaient vraiment beaucoup détaillé ce qu'il y avait en juin, mais pas nécessairement ce qu'il y avait à l'automne encore. Au niveau de l'information que Nintendo a déjà donnée sur le deuxième DLC qui va sortir plus tard, une date déterminée, on dit que le premier DLC était plus poussé sur le perfectionnement au combat, et tandis que le second épisode va être plutôt axé sur l'exploration avec, comme Mel vient de le dire, des paysages qui vont être enneigés. Pour le moment, c'est l'info officielle qu'il y a. Fait que c'était correct. Moi, j'aime mieux ça comme DLC que revoir faire le jeu au complet puis trouver les petits extras qu'il y avait dans Ultra Sun and Moon. Mais ça, c'était le temps qu'il fasse ça. C'était vraiment le temps qu'il fasse ça, que ce soit des DLC, que tu continues ta partie tout simplement et que tu n'es pas obligé de recommencer tout le jeu qui était complètement inutile. Ouais. La dernière chose que j'ai fait cette semaine, c'est un peu de Stadia. Honnêtement, j'ai vu Stadia, c'est tellement différent des autres plateformes parce que
T'as pas de téléchargement, t'as rien, t'as pas d'attente, tu fais juste ouvrir ton jeu, tu passes d'un jeu à l'autre, t'as rien à télécharger, t'as pas de patch à faire, même si ça fait des mois que t'as pas ouvert la plateforme. Donc, j'ai vraiment eu du fun de jouer avec notre ami Maxime Chartier à The Division 2, je redécouvre ce jeu-là. Alors, on s'est dit qu'on ferait encore pas mal de sessions. Mais Max a aussi sorti deux critiques de nouveaux jeux Stadia qui ont l'air pas mal intéressants, dont un jeu qui est un espèce de gros bac à sable avec plein de mods qui s'appelle Krayta. On a le test sur le site web de Geek5.com, puis en plus, c'est gratuit pour ceux qui sont membres pro. Alors, vaut peut-être la peine d'aller voir. Puis on a un gros groupe Facebook de Stadia Nation Québec où est-ce que tu as pas mal de monde avec qui jouer si jamais il te manque de personnes. Alors, venez nous voir, c'est vraiment le fun. Voilà, ça complète cette semaine. C'est deux semaines pour moi. Je vais y aller en ordre de ce qu'on voit à l'écran. Alors, Kevin, raconte-moi un peu. Tu as joué à des jeux que j'ai vraiment hâte de t'entendre parler, comme Desperados puis CrossCode. Oui! Alors, ouais, c'est ça. Cette semaine, j'ai joué à... Ben, ça fait quelques jours que je joue à Ghost of Tsushima, mais comme on l'a dit, je pourrais pas en parler. Mais bon, ça s'en vient. Mais quand même, avant de parler de... Ouais, ça va être... C'est cute, hein, quand même, Ghost of Tsushima. Tsushima! Mais... Voilà. On demandera à Joe qu'est-ce qu'il en pense. Mais avant de parler de ce jeu-là, il y a un autre gros jeu qui, lui, honnêtement, j'ai été carrément bluffé. J'ai été estomaqué. Je m'attendais pas à ce jeu-là. Je ne le connaissais pas. C'est Desperado 3, qui est fait par le studio Mimimi Games. Tu parles d'un nom bâtard quand t'appelles un studio de Mimimi. tu sais, il y a toujours des jeux que tu regrettes dans ta vie de jamais avoir joué. C'est pas nécessairement des grosses sorties. Tu sais, des jeux que des fois tu vois ici et là, puis tu fais comme genre, Colin, j'ai jamais joué à ça. Pourquoi? Ben, moi, un de ces jeux-là, c'est Shadow Tactics, qui est sorti il y a quand même un bon bout de temps. Puis à chaque fois, des fois, je le vois, c'est ça, je le vois en rabais, puis je me dis, Colin, faudrait que je l'achète. Ça a vraiment l'air excellent, ça a l'air de mon style de jeu, puis je l'ai jamais fait. Ben, c'était Mimimi Games, c'est encore Mimimi Games qui est derrière ce jeu-là, puis qui ont eu le mandat de faire Desperado 3 cette fois-ci. Pour ceux que ça intéresse, Desperado 3, c'est un jeu de style western. Fait que, tu sais, on a des petites musiques, puis des ouais, c'est ça, des petits pow-pow, puis des petites boules de foin qui se promènent, là. Il manque juste les petits bruits de loup, là, qui est dans le background. Hey, yeah, ça serait merveilleux. Et en plus, c'est THQ Nordique aussi, hein, C'est THQ Nordique, effectivement, qui a décidé de relancer ça parce que, évidemment, on est rendu au troisième. Je ne savais même pas qu'il y en avait deux avant ça. mais il y a beaucoup de fans de la série qui sont bien heureux parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'il y ait un nouveau jeu d'Esperado. Mais on parle d'à peu près d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Fait que, ça a vraiment été très long. Dans celui-ci, ben c'est une vue isométrique, là, dans le fond, une vue trois quarts de haut, où est-ce qu'on contrôle chacun des personnages, un peu à la, je vais dire, Diablo. Mais c'est un jeu de stratégie ou tactique, dépendant de quoi vous voulez utiliser, en temps réel. Donc, c'est-à-dire que vous devez déplacer vos personnages et l'action se passe dans votre face. Donc, c'est pas du tour par tour, c'est pas, il n'y a pas d'attente ou quoi que ce soit. C'est vraiment là, ça se passe en ce moment. Ce qui est le fun avec Desperado 3, c'est les personnages, déjà en partant, on embarque. Déjà, là, on a un personnage principal qu'on découvre à sa jeunesse, puis avec lequel on vieillit. Ben, lui, déjà, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui va y arriver, on veut savoir vers quoi il se dirige, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui vient le chercher puis qui fait en sorte qu'il se lance dans une espèce de vengeance terrible là, envers ses ennemis. Puis évidemment, mais il est pas tout seul à ça. On découvre d'autres personnages qui chacun ont toutes leurs personnalités puis leurs caractéristiques qui font en sorte que chaque mission est faite différemment. En raison de leur capacité.
Il y en a un qui est plus un sniper, il y en a une qui se déguise puis qui utilise ses charmes. Il y en a un qui est avec une grosse brute puis qui attaque de plus proche. Fait que, bref, chacun sont très, très différents. Puis mettez tout ça ensemble, puis décidez par la suite, bon, ben, OK, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Dans le but de, évidemment, soit d'être un petit peu plus sournois, donc de faire le moins de bruit possible, ou ben vous pouvez être super violent aussi, mais habituellement, ça. Pas très bien. Fait que c'était vraiment plus un jeu d'infiltration que d'un gros jeu de bang-bang. ce qui est, mon avis, le gros désavantage de Desperado 3, c'est le fait que sur console, c'est pas le style de jeu idéal. De contrôler sur une manette les actions de chacun des personnages un après l'autre. C'est pas évident. Oui, on peut les contrôler tous en même temps, mais en même temps, ce que tu veux, c'est décider. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Heureusement, il existe un mode qui s'appelle Showdown Mode qui te permet de mettre tout sur pause et de dire, OK, bon, ben toi, tu vas faire cette action, toi, tu vas faire celle-ci, toi, tu vas faire celle-là. Et après ça, ben on met le tout en jeu. Puis si vous décidez que l'action se déroule à ce moment-là, bon, ben vous pèsez sur le bouton et toutes les actions de chacun des personnages s'effectuent. Quand on réussit à faire quelque chose de qui, t'sais, dans, au final là, qu'on espérait réussir sans se faire détecter, puis que chacun des personnages font leur action, c'est juste débile, là, tu capotes, tu fais comme genre oh my god, je suis un génie. T'as l'impression de jouer aux échecs, puis t'as battu là, Bobby Fischer, là, puis tu fais comme genre oh my god, je suis la personne la plus brillante au monde. Mais bon. On s'entend avec un jeu, là. Mais c'est ça, sur PC, par contre. Finalement. Ben, c'est ça, exactement. Tu fais, je vous contrôle, puis je décide ce que vous faites. Marionnettiste. Kevin, ouais. J'ai une question pour toi. Je peux-tu juste jouer à Desperados 3 direct? Oui. Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir joué aux deux premiers, c'est vraiment pas nécessaire. Comme je le disais, je savais même pas qu'il y en avait eu deux autres avant, puis s'il y en avait pas eu deux autres avant, je m'en fous bien. ça change absolument rien. Vraiment, là, ça n'a absolument aucune importance. Fait que c'est ça qui est le fun. Les nouveaux au niveau de la série peuvent tout de suite embarquer puis apprécier le jeu comme moi je l'ai apprécié. Mais c'est ça, comme je disais, sur console, moins facile. Sur PC, honnêtement, ben, t'sais, on s'entend que c'est le jeu, il est vraiment fait pour ça, ne serait-ce que parce qu'on bouge la caméra assez régulièrement. Puis toutes les actions qu'on doit déterminer là, pour chacun des personnages. Honnêtement, c'est une super belle surprise. Moi, on m'a juste dit Kev, t'as-tu entendu parler de Desperado 3? Ben non, pas en tout. Puis en regardant des vidéos, je fais comme genre oh my god, c'est sûr que c'est génial. Ben Colin, ça l'est vraiment. À date, c'est dans mes super belles surprises de l'année. Le jeu, il est quand même très difficile, ce qui fait en sorte que souvent, vous allez manquer votre coup. Mais ce qui est brillant, c'est qu'il y a une espèce de sauvegarde automatique. Le jeu vous rappelle régulièrement de sauvegarder, puis c'est juste en pesant sur le pad dans le milieu. Moi, je l'ai essayé sur PlayStation 4, donc juste en pesant sur le pad du milieu, ça sauvegarde immédiatement, ça prend 2 secondes. Puis quand vous voulez revenir sur votre dernière sauvegarde, encore une fois, ça prend juste 2 secondes. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. Pour revenir sur une action, parce que on le fait vraiment, vraiment, vraiment régulièrement. C'est comme genre, ah, je voulais essayer ça, mon Dieu, ça n'a pas marché, bon, ben, je reviens tout de suite à ma dernière sauvegarde. Finalement, j'essaye autre chose. Bon, ben, dans Desperado, ça fonctionne à merveille. Les missions sont super longues, mais on peut arrêter n'importe quand, là, juste faire une sauvegarde puis y revenir plus tard. Mais en grande majorité, il y a 16 missions, puis ça prend au moins facilement une heure et demie chacune d'entre elles. Ouais, ça, c'est quand même très long. Il y a une ça, c'est super si tu bonne fais pas d'erreur. Là. C'est ça, exactement. C'est si tu fais pas d'erreur. Il y a des objectifs à atteindre. Mettons, réussir une mission dans le temps de tel, on va dire, un 7 minutes. Je suis tellement pas proche d'un 7 minutes. Je suis plus là, comme genre, ah oui, moi, ça m'a juste pris 53 de plus. Mais c'est ça, tu veux bien réussir ta mission. Fait qu'au final, honnêtement, ben on va en parler tantôt parce que ça fait partie des belles surprises du début de l'année. Ouais, puis pour ceux qui connaîtraient pas beaucoup le studio, ben comme Kevin le disait, Shadow Tactics qui est sorti en 2017. Pour vous dire comment les jeux sont de qualité, Shadow Tactics a une moyenne de 85 sur Metacritic et Desperados 3 une moyenne de 86. Ouais, exactement. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, c'est
Eux autres, ils ont juste pu prendre les acquis, de dire, OK, ben, on a fait un jeu similaire, ça a bien fonctionné, bon, ben, on refait quelque chose de, qui ressemble, mais on améliore le tout. Fait que même sans avoir essayé Shadow Tactics, la grande majorité des choses que j'ai lues, c'est ben ils ont vraiment amené ça à un autre niveau. Puis c'est très très bon comme jeu. Je vous le conseille fortement. Ouais, puis là ils ont pu utiliser une licence en plus avec leur partenariat avec oui. THQ Nordic, donc c'est cool aussi pour les fans qui attendaient un Desperados 3 comme tu le dis depuis. Plus ouais, les quatre personnes qui attendaient, là, ouais. Ben, là, ils sont servis. Je veux dire quel monde n'attendait plus. Fait que sinon, tu joues aussi à CrossCode. Ouais, ben ça, je veux juste le mentionner. CrossCode qui est sorti sur PC il y a vraiment très longtemps. Ben, j'ai commencé à y jouer. Ma critique s'en vient. Mais juste le mentionner comme quoi que pour ceux qui aiment les RPG, ben CrossCode s'en vient sur Nintendo Switch. Jusqu'à maintenant, j'ai mis quelques heures. J'ai du plaisir. C'est un mélange old school. Personnellement, en y jouant puis en voyant les images, peut-être que ça va vous dire quelque chose, mais moi, ça ressemble à Star Ocean, que j'avais adoré à l'époque. Mais tu sais, tous les jeux, là, les. C'est quoi, qu'est-ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, tu sais, les Mana, la série Mana, les. Ça ressemble à Chrono Trigger aussi. Merci, mais... en plein ça, les Chrono. Chrono Cross, Chrono Trigger, ça ressemble exactement à ça. C'est voulu, mais en rajoutant évidemment des nouveautés parce qu'on est rendu dans les années 2020, même si on veut. fait que, tu sais, on veut pas. Ben, c'est ce que tu veux. On veut bien que ça soit vieux, mais pas tant vieux. T'sais. L'année 2020 n'existe pas. Ouais, j'aimerais bien l'effacer, mais non, c'est pas comme ça que ça marche à l'air. Fait que pour l'instant, j'y joue. Je vais vous revenir avec vraiment mes impressions finales dans sous peu. Mais c'est bon. C'est bon. Excellent. Je vais continuer avec François, vas-y. Ben, en fait, j'ai joué encore à Last of Us 2. Donc, je continue à fouiller. Disons que je suis pas mal à la fin, là, fait que je veux pas en parler trop parce que il y en a qui spoilent sur internet, mais je trouve que c'est tellement plate parce que c'est tellement non, tellement ouais. génial. Ça me fâche. C'est bouleversant comme tel, fait que c'est pour ça qu'il faut pas en parler. Fait que c'est pour ça que je vais couper ça court, mais ça conforte encore plus, tu sais, je change pas d'idée pantoute sur la critique que j'ai faite, là. C'est vraiment un chef-d'œuvre à mon avis. Non, puis je suis content que les gens ont pu y jouer après le bashing incroyable que quand tu regardais le pourcentage des gens qui avaient terminé, parce que tu as un trophée sur PS4, tu peux voir le pourcentage ouais. des gens qui ont terminé. Il a monté beaucoup parce que quand j'ai fini, c'était à 8,5%, ben puis on est rendu à 30%. Puis Naughty Dog disait ben, vous pouvez pas basher ce jeu quand vous l'avez pas fini. Il y a des personnes qui écrivaient des mauvaises ouais. critiques en disant que l'histoire est mauvaise, tatati ou quelque chose, puis tu regardais. Puis je l'ai vu sur YouTube! Le jeu était sorti il y a à peine 4 heures. Comme tu l'as pas fini en 4 heures, impossible. Donc, calme tes nerfs 2 secondes. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, ben, je vais vous parler de quelques jeux. Dans le fond, j'ai pas eu de ben gros de nouveautés. Il n'y a pas eu grand-chose qui sort, mais bon, quelques vieux jeux. Il y avait un gros spécial sur le store de PlayStation. Ouais. Fait que j'ai acheté FIFA 20. Il revenait, je pense, à 17-18$. Je suis un fan de soccer. Je suis un fan quand même de FIFA, malgré que des fois, je trouve que c'est pas mal du... Quoi? On t'avait perdu. Tu lagues un peu. Ah. Ouais, ben, moi de mon bord, il y en a qui laguent aussi. Fait que je disais que FIFA, pour moi, d'année en année, des fois, c'est un petit peu la même chose. Mais j'aime bien un peu comment ils ont réussi pour celui-là à améliorer les contrôles. Je dirais que la fluidité du jeu est beaucoup mieux. Puis bon, l'ajout du truc de street soccer, ben bon, ok, mais ça donne un truc de plus, puis c'est drôle, mais à part de ça, je joue pas à FIFA pour faire du street soccer. Ah, surtout que si on compare, par exemple, avec... Non, mais c'est surtout que si on compare avec FIFA Street qui était sorti quelques années auparavant, ouais. FIFA Street est 40 fois meilleur alors que c'est développé par le même studio, ce que j'ai pas trop compris pourquoi dans FIFA 20
le Soccer Street était si mal implémenté que ça. Ben, c'est parce que ça a l'air d'un ajout qui ont, tu sais, qui ont un brainstorm à un moment donné. Hey, qu'est-ce qu'on va faire pour acheter de quoi cette année? Bon, on pourrait faire ça. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis il t'a le sac dans la gorge au début. Là, tu pars le jeu, puis t'es obligé de faire une game en Street Soccer. Ça part de même. C'est comme, OK. Puis l'intelligence artificielle est vraiment mauvaise sur ce mode-là, je trouve. Mais sinon, dans les modes standards, là, c'est du FIFA standard. Puis on est en manque de sport pour les sportifs. Puis que au moins, les ligues commencent à recommencer pour vrai. Puis, de toute façon, t'écoutes le sport à télé, les soccer à télé, ben c'est des bruits de FIFA qui mettent par-dessus les huis clos d'un stade. Fait que on n'est pas trop désorienté. Ensuite, j'ai joué, vous devinerez que j'ai joué Overwatch, mais j'ai un ami qui s'est pété le bras solide, il y a rien que juste ça à faire, fait qu'il nous achale pour jouer, mais ils ont changé, ils ont patché pas mal dans les deux dernières semaines, trois dernières semaines, ils ont fait beaucoup de changements. Je vous passe vite. Puis là, ben, mes enfants ont vraiment découvert la Switch un peu plus. Fait qu'ils jouent vraiment, ben, pas beaucoup, mais, tu sais, ils essayent autre chose que des choses. Ils sortent de leur zone de confort. Fait que, ils m'ont demandé de jouer à Minecraft. Fait que j'ai acheté Minecraft pour la Switch. Puis ils m'impressionnent vraiment sur leur créativité puis tout ça. Puis le jeu sur Switch est quand même bien, il est joli. Et moi, je suis pas un connaisseur de ce jeu-là. Fait que pour moi, c'est assez nouveau. Mais il navigue là-dedans, mes deux filles, ils naviguent là-dedans tout seul, puis ils s'amusent. Puis il vient avec toutes les DLC, je pense, possible, ou du moins. Oui, vas-y, Mel. Mel, oui. Sur la version Switch de Minecraft, oui, c'est ça. Ben, j'ai levé. T'as levé la main. Je voulais pas t'interrompre, je voulais attendre que tu finisses. En fait, ma seule question pour Minecraft sur Switch, est-ce qu'il y a encore les éléments de Super Mario Bros? Parce que la version Wii U, il y avait une Super Mario Edition, puis tu sais, c'était ça qui était cool aussi pour les fans de Wii U, c'est qu'ils pouvaient jouer avec des décors de Super Mario, puis de Peach, puis de toute la gang aussi, ouais, qui étaient différents de PC puis Xbox, tu sais. J'ai vu que quand tu démarres le jeu, ben tu peux créer ton monde. Puis encore là, je vous dis, je suis pas connaisseur vraiment, là, mais je les ai vus, je les ai regardés un peu. Tu peux créer ton monde puis utiliser un modèle de base. Puis le modèle de base, il y a un modèle de Mario. Okay. Fait que c'est déjà pré-loadé à peu près, là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment le même. Fait que avec plein d'éléments de Nintendo. Là, ouais, fait qu'il est là. Pour ceux qui se poseraient la question, ben c'est ça, c'est la Bedrock édition qu'on appelle. Sur PC, on appelle la Java édition et sur console, on l'appelle la Bedrock édition parce que les mises à jour ne suivent pas en même temps. Même si là, les deux versions ont été mises à jour en même temps pour la nouvelle update qui est la Nether update. Mais la Bedrock édition, c'est pas la version Flintstones. Non. Non, 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 pour vrai, elle est assez à jour. Il est trop jeune, il comprend rien de ça. Oui, oui, oui. Non. Il mangeait les vitamines, OK? Puis ouais. Il en mange encore des vitamines, Pierre à feu, OK? Tu sais, c'est quoi? Non, ben c'est ça. Puis comme François l'a dit, ben, dépendant des consoles, que vous soyez sur PS4, que vous soyez sur Xbox One ou que vous soyez sur Switch, vous avez accès à des mondes préétablis, préconfigurés pour qui ont souvent des exclusivités, des partenariats avec les marques. Donc pour la Switch, c'est bien entendu Super Mario. Pour Xbox, tu peux avoir des skins de Halo. Puis pour PlayStation, si je me trompe pas, c'est je pense que c'est des trucs en lien avec Ratchet & Clank, je crois. Je me rappelle plus pour la version PlayStation, là. Mais pour vrai, la Bedrock Edition se met de plus en plus à jour. Avant, c'est ce qui était décrié pour les joueurs habituels de PC quand ils se rendaient sur leur console. Ben, était vraiment en arrière au niveau des mises à jour, mais maintenant, c'est souvent juste une ou deux mises à jour en arrière. Et comme je viens de dire, ben, la nouvelle grosse mise à jour qui a été implémentée il y a à peine 2 semaines dans Minecraft, ils l'ont mis sur toutes les versions. Fait que c'est... Puis pour vrai, ça joue vraiment bien. Si vous l'avez jamais testé sur console, ça se joue vraiment bien. Les contrôles ont vraiment été adaptés. Puis ouais. Je suis pas surpris, François, comme tu dis, que tes filles peuvent se promener dedans sans problème parce que c'est super bien expliqué. Puis c'est très ouais, fluide. T'sais, ils construisent super gros et ils réussissent à aller chercher plein d'affaires. Ils vont sur le magasin, ils vont chercher à downloader des patentes. Là. Fait que non, c'est vraiment bien. Puis ils venaient ça avec la plupart des DLC intégrés. Fait que je me demandais au départ pourquoi il était plus cher que sur d'autres plateformes. Ben supposément que c'est parce qu'il vient avec toutes les DLC compris. Parce qu'il est plus cher que les autres plateformes, mais bon. Mais c'est Nintendo aussi. Ouais. ouais.
Ensuite, ils ont essayé 3 jeux gratuits. Une nouveauté qui s'appelle Ninjala. Oui. C'est comme une espèce de Fortnite pour enfants, vraiment. Ils se battent, mais avec des épées en mousse, puis... Donc, c'est un chewing-gum. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est le même principe. Là, c'est un battle royal, mais avec des personnages. Ça peut vraiment ressembler à Splatoon au niveau du visuel, vraiment beaucoup. Mais c'est ça. C'est le concept battle royal, mais que tu peux revenir. Tu meurs pas tout d'un coup. C'est plus adapté pour les enfants. Je dirais que les plus vieux, ils aimeront pas ça. Là. Mais possibilité de mettre des achats intégrés. C'est gratuit, mais bon, faut veiller au grain pour voir que ta console est barrée puis que la carte de crédit est complètement ouverte parce que certains enfants pourraient y aller facilement. On vient de perdre Kevin. Oui. Mais ça s'est dit, je trouvais ça quand même assez cute là. Puis pour une certaine tranche d'âge, là, je dis pas que les ados vont aimer ça, c'est trop jeune, mais pour des enfants, je dirais de peut-être entre 7 et 10-11, peut-être, ça peut être une façon qu'ils jouent un battle royal non violent vraiment. Puis sans les introduire au principe aussi, ça peut être cool. Ouais. Puis c'est un jeu, mais il est basé plus un battle royal à la Fortnite parce qu'il est en troisième personne, c'est qu'il est pas la première. Fait que je dirais que c'est peut-être un peu plus facile pour les enfants. La première personne n'est pas nécessairement super évidente au départ parce qu'ils savent pas trop où ils se trouvent. Fait qu'il y a ça qui ont joué, que je les ai vus. Ils ont essayé Pokémon Coffee Mix aussi. Bon, c'est un jeu de puzzle, c'est cute, mais c'est ça. Mais ils ont du fun. Puis un jeu vraiment qui est surprenant qui s'appelle Color Zen. Aussi gratuit, mais que j'ai vu qu'il y avait quand même des super bonnes critiques sur le jeu. C'est un jeu de puzzle. Coloriage? Ouais, mais c'est ça, il faut pas nécessairement colorier, mais il y a plein de formes qu'il faut bouger. C'est un jeu beaucoup tactile, là, surtout. Fait qu'on touche sur des formes à l'écran, ça change de couleur. Avec la musique, la musique est super cool, ben, ça le dizaine, là, mais je voulais en parler parce qu'honnêtement, j'ai trouvé, tu sais, des fois, il y a des jeux que tu as l'impression, c'est comme sur tablette, que c'est comme n'importe quoi. Mais celle-là, je pense qu'il y a quand même un potentiel pas pire, même pour des adultes qui voudraient juste comme relaxer. C'est un espèce de jeu, tu sais, ça te casse-tête avec des couleurs puis de la musique douce, là. C'est comme vraiment de relaxer, mais le visuel est vraiment, vraiment beau. Ça fait art moderne un peu, c'est très bien. Fait que, ça fait un peu le tour de ma semaine. Cool, merci François. Mel, toi aussi, tu as joué à The Last of Us? Oui, deux fois plutôt qu'une. En fait, j'ai terminé ma partie de The Last of Us Part 2 parce qu'on a parlé beaucoup de toute façon au dernier podcast, fait que je re-rentrerai pas dans les détails, mais je tenais vraiment à finir le jeu parce que j'ai vraiment trippé beaucoup. Ça vient vraiment, c'est venu me chercher par les émotions. Ben oui. C'est juste la fin. Non, fait que on va faire un spoiler cast à trois là, on va ouais, un moment donné, ça peut un être bon cool épisode aussi. Là, juste on jase la fin. Là. Ouais. Ben oui, puis ça me permettrait d'y retourner parce qu'une fois qu'on a terminé, c'est qu'on sait par chapitre toutes les choses à collectionner aussi puis aller chercher, mm-hmm. Puis je sais qu'il m'en manque là, des artefacts, des trucs, ben ouais. Fait que tu sais de refaire, tu sais comme 3-4 chapitres juste pour aller chercher mes affaires puis faire un petit peu plus de loot, un petit peu plus de recherche, tu sais ça me dérangera même pas là. Mm-hmm. Fait que puis c'est ça quand The Last of Us 2 téléchargeait, j'avais reparti une game du premier jeu pour me remettre dedans aussi puis me remettre dans l'histoire parce que c'était quand même la suite de l'autre. Puis, fait que là, quand j'ai fini le 2, j'ai replongé dans le 1, je l'ai terminé. En fait, je l'ai fini hier soir, le 1, que j'avais pas fini à l'époque, shame on me. Mais que, tu sais, je connaissais l'histoire, je savais, tu sais, Anthony m'avait déjà tout dit, là, mais... Spoiler! Hey, c'est sûrement parce que tu me l'as demandé. Oui, c'est ça. Je te l'avais demandé, puis tu me l'avais dit, puis c'était correct. Puis de toute façon, tu sais, je l'aurais su par le 2. Mais tu savais, mais je savais pas tout, tu sais. C'est comme, c'est une aventure. C'est sûr qu'il y en a un bout, là. Non, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une aventure, puis c'est une progression, puis tu sais, c'est l'évolution des personnages, puis la relation qu'ils bâtissent entre eux autres et tout ça. C'est vraiment très émouvant aussi. J'étais contente d'avoir fini le 1. Mon prochain plan
pour en fin de semaine, c'est de faire Left Behind. Parce que je suis pas retombée de mon nuage encore. Je suis vraiment encore dans mon gros hype de Last of Us. Fait que là, j'ai fini le 2, j'ai fini le 1. Là, je vais m'en aller dans Left Behind. Puis je pense que ça va être vraiment, là, ça va comme boucler ma boucle de Last of Us au complet. Puis j'ai vraiment hâte de, de m'en aller là-dedans. Tu vas avoir tout fait, effectivement. Ouais, c'est ça. T'sais, après ça, il va me rester juste à les finir à 100%, mais ça, c'est pas que je veux pas le faire habituellement, mais c'est juste quelque chose que j'ai pas toujours le temps de le faire. Puis déjà, le premier, je peux pas parce qu'il y a beaucoup de trophées, que c'est des trophées multijoueurs. Ouais. Puis j'y ai joué sur PS3. Puis je pense qu'il est fermé. Ben, c'est ça. Ouais. J'y ai joué sur PlayStation 3. Fait que s'il est encore ouvert, je suis même pas sûr qu'il y a encore du monde dessus, là, parce que tout le monde est allé dans version remastered au pire. Fait que c'est ça. Fait que non, je regrette pas du tout. Moi, je suis encore dedans, puis tu sais, c'est comme, je l'ai dans la tête, j'y pense encore. Puis on dirait que c'est un jeu qui reste avec toi pendant quand même un bon moment. Puis on dirait que j'ai besoin de faire, après ça, je vais avoir besoin de faire un cooldown, c'est sûr, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Mais fait que là, je vais m'en aller dans d'autres choses après, comme complètement à l'opposé, qui n'a pas rapport à ça. Mais pour le moment, je suis encore dedans. T'sais. Moi, ça me rappelle qu'à l'époque, justement, je savais plus quoi jouer. J'essayais de jouer plein de jeux, puis ça me sortait pas de la tête de Last of Us. Non, c'est ça. Puis finalement, c'était Hotline Miami qui m'avait fait, parce que ça avait pas rapport, c'était complètement dans le champ. Mais c'était hyper violent, un peu comme The Last of Us, mais ça m'avait pris un jeu complètement différent pour débarquer. Fait que, ben, là, j'ai réussi quand même assez vite, là, en me lançant dans Pokémon. Mais ouais, je te comprends, man. Ouais, mais Pokémon, il est passé trop vite, je l'ai fini en 3 jours. Ouais, t'as raison. Puis tu sais, je l'ai fait entre les deux jeux, justement. Puis après Pokémon, j'ai fini le 1. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis retombé dedans, là. Tu sais, c'est comme une drogue. Ouais, ouais. Je suis pas encore sorti, là. Tu sais, je l'ai fini hier. T'essaieras Ninja là pour te changer les idées. Non. Hey, mais c'est drôle, François, non, parce que tu parles des jeux super zen, tu sais, ton color zen, puis tout ça. Puis sur Switch, moi, j'ai un jeu de casse-tête. C'est vraiment juste des casse-têtes back-à-back, là, tu sais. C'est comme des 65 morceaux, je pense, à faire. Puis ça s'appelle, genre, Puzzle World, ou je sais plus quoi comment ça s'appelle. Okay. J'avais comme pogné ça gratis à un moment donné à Noël. Il y avait comme des jeux gratuits qui sortaient avant Noël. Il y avait comme un comment qu'ils appellent ça, les 24 jours avant Noël, là. Fait que j'avais pogné. Ouais, c'est ça, comme des jeux de l'avant, tu sais, qui donnaient. Puis il y en a un, c'est un jeu de casse-tête. Puis tu sais, c'est un jeu de casse-tête, là, tu sais, on s'en fout, là. Mais je veux dire, moi, des fois, je faisais ça, tu sais, c'est vraiment super, avec de la musique vraiment relaxante et tout ça. Puis là, je faisais comme 3-4 casse-tête avant de me coucher ou whatever. Puis ça me changeait. Tu sais, c'est un cool-down, là, tu sais, c'est vraiment juste pour te changer les idées, puis avant de repartir sur d'autres choses. Cool. J'aime ça, des fois. Ben oui, je comprends ça. Fait qu'on parlera pas de Pokémon, on a déjà parlé. Alors, c'était-tu autre chose ou on passe à Marc? Non, moi, pour l'instant, c'est tout. Excellent. Alors, Marc, vas-y. Alors, après plusieurs semaines sans avoir parlé de jeux de simulation, je devais me rattraper cette semaine. Non! Tout le monde est emmené. Pour vous parler de Assetto Corsa Competizione, qui est le jeu, bien entendu, c'est la version console qui est sortie. Italienne. c'est une civilisation de langue italienne. C'est un studio italien qui développe le jeu, donc ça a du sens. Ah ouais. Mais oui, c'est une simulation de comment faire du limoncello. Non, c'est Mafia 4. Non, c'est une simulation automobile, et je dirais que c'est une simulation automobile pour ceux qui ont déjà des volants à la maison. C'est beaucoup plus le fun de jouer avec un volant qu'avec une manette sur ce genre de jeu-là. C'est un jeu qui propose beaucoup de paramètres très, 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 très poussés pour vraiment combler tous les professionnels de la conduite automobile qui veulent... tu peux bouger le nombre de centimètres de ta roue gauche. Contrairement à ta roue droite dépendant de ton circuit. Là. C'est vraiment extrêmement précis comme paramètre que tu peux. Ce qui est quand même le fun, c'est qu'il reste un tout petit peu accessible tout de même parce que le jeu propose dès le début du mode carrière. Dans le fond, le but, c'est tout simplement de faire des tours de piste. Tu es obligé de les faire. Et une fois que tu les as fait, le jeu va te proposer des aides au pilotage et une difficulté d'intelligence artificielle qui est adaptée à ta conduite que tu as eue. Mais c'est assez difficile à prendre en main.
La critique est disponible complète sur le site de Geeks.com. J'ai donné 8 sur 10 parce que pour un amoureux de course automobile, ça répond à tous les critères que tu recherches sur ce genre de jeu. Mais pour les néophytes qui sont pas habitués à autant de simulations, ça peut être un frein là, parce que en parlant de frein, si tu freines pas comme dans la vraie vie, tu freinerais avec ta voiture. Tu vas rentrer dans le mur. Le lien était fantastique, à vous, hein? T'es malade. Bref, le test est disponible sur le site de Geeks.com. Sinon, ben, j'ai joué à l'accent anticipé de Among Trees qui a été dévoilé il y a pas très longtemps. Je sais plus dans quelle conférence, dans les millions de conférences qu'on a eues dans les dernières semaines. Je sais plus c'était dans laquelle. Mais dans tous les cas, c'est un jeu développé par un studio indépendant. C'est un jeu de survie dans lequel, tout simplement, on va devoir crafter des objets et également survivre à des menaces un petit peu plus dangereuses. Pour le moment, la seule menace dangereuse que j'ai croisée, c'est l'ours. Et je peux vous dire que l'ours, il fait bobo. n'affrontez pas l'ours tout seul. Mais même dans la forêt. Dans la vie, un ours, tu veux pas croiser ça. Effectivement, le point fort du jeu pour moi, c'est sa direction artistique qui me rappelle beaucoup Firewatch au niveau des couleurs utilisées et un peu de la manière dont le jeu est dessiné. C'est très très cool, je vais livrer bientôt mes impressions. Le jeu reste en accès anticipé, il n'y a pas beaucoup de contenu encore disponible, mais les développeurs ont une longue fiche disponible. C'est un Trello en fait qui est disponible, puis on peut voir sur quoi ils vont travailler, sur quoi ils vont implémenter des choses. Pour le moment, il faut savoir que le jeu... pour le moment, n'évoluera pas cet été. Les développeurs l'ont dit. Ils prennent des vacances. Ça fait plusieurs mois qu'ils préparaient, plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils préparaient cette version d'accès anticipé. Donc, pour le moment, ils prennent une pause, mais ils vont revenir à l'automne avec les premières mises à jour qui vont arriver. Il est disponible sur Epic Game Store exclusivement pour le moment. Sinon, j'avais un petit dernier jeu, mais ça va être vite. J'ai continué de jouer à Animal Crossing. Bien entendu, Animal Crossing New Horizon. J'ai terminé de rembourser ma dernière maison. Oh, il était temps. Trois mois plus tard. Ah non, c'est pas si pire. 90 heures de jeu. C'est quand même mais pas toi, si Anthony, tu disais que c'était pas nécessaire de rembourser le dernier parce qu'après ça, il y a plus rien. Mais oui, ben oui, mais c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'il n'y aura pas plus rien, Mélanie. Sais-tu pourquoi? Il n'y aura pas plus rien. Hey, je ne l'ai pas remboursé encore, ma dernière maison. Bon, ben, je faisais comme plein d'autres affaires. Il va falloir que tu rembourses parce que là, le 3 juillet prochain, il va y avoir une nouvelle mise à jour qui va arriver, une mise à jour gratuitement, qui est la première mise à jour de l'été. Il va en avoir deux au total. C'est ce que Nintendo a annoncé récemment. Et parmi les nouveautés, il va être possible d'aller nager dans une portion de l'eau de la mer et on va pouvoir aller ramasser des coquillages et également des nouveaux spécimens d'animaux. Il va pouvoir également apprendre des nouvelles recettes pour décorer notre maison. Et ça va arriver le 3 juillet prochain. Fait que si je l'ai pas remboursé, j'aurais pas ça? Oui, tu vas l'avoir quand même, mais il faut que tu rembourses ta maison, c'est important. Tes dettes, Tom Nook, attends après toi. C'est une question de principe, finalement. C'est juste une question de principe. Non, moi, je travaille pour la banque. Là, on veut continuer de faire l'intérêt sur ton prêt. Fait que rembourse-le pas. Oui, mais le problème, c'est... c'est ça. Fait que moi, j'ai pris une hypothèque de 35 ans. Oui, mais le problème, c'est que Tom Nook, il est vraiment pas pressé. Puis il charge pas d'intérêt. Parce qu'il y a pas de délai, non. Non, c'est pas d'intérêt, pas de délai, tu sais. Bref, dans tous les cas, c'est la... Pour faire... Tu vas voir, François, eux aussi, Nintendo, font des jeux de mots comme moi. C'est la Wave 1 des mises à jour de l'été. Donc, c'était un petit... je voulais en glisser un mot parce que c'est un petit coucou quand même sympathique. Ça reste du contenu qui est ajouté quand même assez régulièrement sur Animal Crossing. Puis c'est vraiment mais cool. Mais je sais, Marc, je sais que tu veux que c'est un petit mot. Tu voulais pas faire de vague avec ça, je sais. Ah, voilà. Ouf. Oh, voilà. Voilà. Faut-tu qu'on soit en temps de pandémie pour être excité par ce genre d'activité? On va aller ramasser des coquillages, puis se promener dans l'eau, puis... Ah, faut que je paye ma maison, mon hypothèque. C'est pas d'intérêt. On va parler de thermopompe dans pas long. Il n'y a pas encore, j'avoue, il faudrait que j'envoie un mail à Nintendo. Il n'y a pas d'acclimatisé encore dans les objets. Il n'y a pas d'acclimatisé dans les objets. On peut acheter un ventilateur, mais pas d'acclimatisé. Ouais. Puis l'unité de chauffage aussi, là, tu sais, le truc que tu mets sur le bord du mur. Là. Effectivement. On pourrait parler de jouer d'échanter. Des tentités. Let's go, tu peux vendre ta maison, puis avant de la vendre, il faut que tu fasses une expansion. Dit deux trucs. Ou des climatiseurs de morgue, mais on va continuer. Excuse-moi, François.
On va faire... Il y a Max Chartier sur le chat qu'un, il a dit que ça a l'air que ces gars, ils ont une thermopompe d'Animal Crossing. Quoi? Ça existe. Okay. Mais je l'ai pas, moi. Je l'ai pas? C'est quoi puis, ça? Il posait la question, mais je crois que c'est pas possible. Il dit qu'il a changé de Switch, il a perdu son île, puis pour quand le fixe? Ben, je pense pas sûr que c'est possible qu'il va en canner un. Malheureusement, je pense pour... que c'est structurel. Malheureusement, pour ça, ils l'ont dit qu'il y avait le Animal Crossing n'est pas compatible avec la sauvegarde en cloud. Ben, ça, c'est ridicule. Quel jeu. Ouais. C'est une grosse polémique qui Nintendo tout simplement Nintendo tout simplement dit bon ben qui chiale, on les écoute pas. C'est pour vrai, c'est ça. Ils n'ont plus jamais communiqué sur cet aspect-là, même s'il y a des nombreux messages sur les réseaux sociaux qui disent hey oh, ça ne tente pas de perdre nos trucs, tu sais. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il y a d'autres jeux qui ne sont pas compatibles avec le cloud save. Dans le cloud. Ouais. Tu sais, comme par exemple le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Oui, c'est vrai. Qu'on avait joué, toi puis moi. Puis, ce que je me suis rendu compte, malgré ça, parce que moi, j'y avais joué sur ma Switch de salon. Puis, après ça, j'ai retéléchargé le jeu dans ma Switch Lite parce que je voulais rejouer. Puis, j'étais convaincue que j'étais obligée de recommencer du début, mais il avait déjà tout gardé ma progression pareil. Donc, selon moi, il doit envoyer les trucs sur un serveur, étant donné que le jeu est disponible sur mobile aussi. Oui, c'est sûr que ça se sauvegarde quelque part parce qu'il n'y a pas de cloud saving, mais j'ai quand même retéléchargé le jeu. Puis j'avais tout conservé la progression que j'avais dans le jeu. Mais si jamais pour Maxime... À mon grand bonheur, oui. Hein, mais... si jamais pour puis Maxime... Pokémon, justement, Pokémon Sword and Shield, c'est la même chose aussi, tu sais, je pensais... Eevee and Pikachu, ouais, let's go. Ouais. Puis il avait gardé ma progression aussi quand j'ai retéléchargé le jeu sur ma Switch Lite. J'étais sûre que j'avais tout perdu ma banque de Pokémon puis que l'histoire, je devais la recommencer au début. Ben non, j'avais déjà gardé toutes mes affaires, j'avais tout conservé puis il avait comme continué où est-ce que j'étais. Fait qu'il y a quelque chose qui se sauvegarde quelque part. C'est peut-être linké à ton profil d'utilisateur au lieu d'être linké dans le cloud. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui se fait parce que... Faut savoir aussi parce que... Sinon, j'aurais tout perdu. Là. La sauvegarde dans le cloud est réservée également aux membres de Nintendo Switch Online. Donc, si t'as pas d'abonnement à Nintendo Switch Online, t'as pas accès à cette fonction-là. Puis, une autre solution que je te dirais, Maxime, c'est peut-être de regarder si t'as une carte SD et que le jeu est sauvegardé dessus. Tu peux switcher la carte SD. Si ce n'est pas le cas, tu peux quand même rentrer une carte SD vide dans ta Switch et dans ton ancienne Switch. Et dans les paramètres, tu peux y demander de transférer toutes les données de sauvegarde et de tes jeux dans la carte SD. Ça prend du temps, bien entendu. Mais c'est faisable. Ouais, moi, je l'ai fait aussi, ça prend du temps. Mais c'est faisable et ça peut peut-être te permettre d'importer ta sauvegarde si jamais. Je te dirais de regarder les deux solutions. Je pense que c'est regardez si tu as un abonnement Nintendo Switch Online, puis sinon, ben regardez pour peut-être mettre une carte SD et transférer tes jeux sur la carte SD au lieu de sur la Switch elle-même. Très bien dit, merci. Ça parle encore, ça nous dit encore comment des fois Nintendo sur l'Internet en général sont plutôt arriérés mentaux. Oui, écoute, justement, ça me permet de rebondir sur nos nouvelles parce qu'on a une nouvelle qui parle de Nintendo. Oui. On a une nouvelle qui parle de Nintendo parce que finalement Nintendo s'est excusé pour les problèmes de drift sur les Joy-Con. Ça a juste pris 3 ans. Mais c'est tout ce qu'on fait. Non, non, mais c'est ça, on s'excuse. On s'excuse. Ok, bye. Ben voyons, toi. Oh là là. Mais c'est ridicule, ça n'a pas de sens. On dirait que c'est pas juste une coupe, là. C'est pas un pourcentage, 10%. Je pense que c'est la totalité des Joy-Con qui dit ça. Ça n'a pas d'allure. Ouais, moi, je commence à rusher sur ma light, fait que good luck, hein. Ma light, je dois juste la retourner, tu sais. C'est ridicule, là. Ouais, surtout qu'il avait dit, en plus, à la sortie de la light, le pire, c'est qu'il avait dit, dans leur communication, on a réparé le problème. Puis, un mois après la sortie de la light, il y a déjà eu plein de messages sur les réseaux sociaux. Nope, le problème est toujours là. C'est faux. Vous êtes un menteur. Voilà. Ben là, ils se sont excusés, puis ils feront rien. Ben, ils ont juste dit, ils ont juste dit, excusez. On va les réparer. Ben ouais. On va le réparer, ça prend 2 mois avant que tu reçoives. Ça doit être pour ça que la Switch Pro prend un an de plus à développer. Là. Ils n'ont pas encore fixé le maudit problème. Ils ont rien ça va venir avec le kit que tu peux acheter sur Amazon. Là.
Ils se sont dit, on va le lancer dedans, direct dans chaque boîte. On met le pack d'Amazon avec chacune des consoles, on sort du temps. Merci, bonsoir. C'est moins cher. Voilà. Ouais, c'est gênant. Bref, il y a eu beaucoup de scandales aussi la semaine dernière. Moi et Mel, on s'en parlait en privé, puis c'est vraiment choquant parce que dans le monde du jeu vidéo, il y a beaucoup d'histoires d'harcèlement, de comportements inappropriés de la part de personnes qui sont en très bonne position dans les studios. On a vu Ubisoft particulièrement. Moi, ça m'a vraiment choqué. Du moins, tu sais, tu vois un gars comme Ashraf qui était en train de il est comme le game director sur Assassin's Creed Valhalla. Il a fait aussi Origins. Là, tu entends que les comportements de cette personne-là, puis de d'autres personnes aussi du studio sont complètement inacceptables. Maltraitance pour les femmes, vraiment, c'est bizarre. Là. Il y a même de viol aussi dans certains cas. Ah ouais, ouais. Si tu vas sur Twitter, puis tu lis le témoignage de toutes les personnes qui ont décidé de raconter leurs histoires, ça brise le cœur. C'est dégueulasse. Mmh. Pour vrai, c'est vraiment, il n'y a pas d'autres mots, c'est dégueulasse. Ouais. Écoute, moi, Renko, il parle qu'il faut qu'il y ait des syndicats. Moi, selon moi, c'est qu'il faut que les gens comprennent qu'il doit avoir un nouveau modèle de leadership. Les leaders, ça doit pas être juste du monde qui sont ceux qui pilent sur tout le monde et qui disent « Ah, je suis le plus pour fort ». Ouais. Il faut exact. Il faut arrêter de voir les gens comme ça, comme des bons leaders. Il faut commencer à voir le gars qui build l'équipe, qui amène l'équipe avec lui, qui a un bon comportement, qui est un modèle, qui est un exemple. T'as pas besoin de syndicat pour ça, puis c'est vraiment désagréable. C'est ça, pour instaurer un niveau de confiance. Exact. Puis ça prend une bonne équipe HR. Ça doit être, ouais, tu dois avoir une équipe d'HR où tu peux te confier. Sinon, ben, tu sais, moi, sinon, ça m'en fout. Sinon, tu passes par-dessus. Si l'HR, ça marche pas, tu t'en vas direct au directeur. Ben, comme tu dis, mais Mel, exact. Comme tu dis, Mel, ouais. Yves Guillemot, lui-même. On a discuté cette semaine, il l'a promis lui-même, c'est rare là, qu'un CEO d'entreprise fait ça, lui-même des changements et qu'il veillerait personnellement sur la situation et que ça change à travers tous les studios d'Ubisoft, hein, pas juste où il y a des trucs qui se sont fait dire. Et il a rajouté en disant à tous les employés, si vous avez un problème, vous pouvez me rejoindre par email personnellement, directement, par Microsoft Teams, directement. Si ça ne fonctionne pas avec les ressources humaines ou quoi que ce soit, vous passez directement par moi. Et en espérant que... Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça devrait marcher. Oui, parce mais que t'es pas supposé... Si tu vis quelque chose, tu parles à ton team leader. Si ça marche pas, tu montes. Ouais, mais tu sais, je veux dire, de base, les HR sont supposés être là pour ça. Ça sert à ça. Si, ouais, ça mais si la compagnie est brisée et ça fonctionne pas, faut pas hésiter à monter plus haut. Puis au pire... Tu t'en vas faire une plainte au nom du travail. Ça la peut police, aller jusque-là. La police, c'est du harcèlement. Tu sors de la compagnie et tu t'en vas direct au nom du travail. Je veux dire, on est au Québec, surtout parce qu'il y en a eu au Québec aussi. Ouais, je ne sais pas comment Montréal, ça se passe dans les autres pays. Mais ici, au Québec, à Montréal, en tout cas, sachez s'il y en a qui vivent ça puis que dans l'intérieur de la compagnie, c'est vraiment, ça ne va pas bien puis tu sais que tu n'as aucun support. Tu t'en vas direct au nom du travail. Oui. Direct. Je veux dire, il n'y a aucun passe-droit là-dessus. Non. Mais non, puis on est tous protégés. Je suis désolé, c'était mon. Non, mais c'est... T'as raison. Ouais, Ouais. Moi, je vais prendre un peu le côté de Mr. Renko sur la plateforme. Pas que je suis pro-syndicat, c'est pas l'idée. C'est juste que c'est une structure qui permet justement d'aider à ça. Parce que regarde, dans les milieux, que ce soit les jeux vidéo, dans tous les milieux créatifs, je dirais, là, où est-ce qu'il y en a pas, puis qu'il n'y a pas nécessairement de structure, c'est souvent des compagnies qui commencent petit, qui deviennent gros, souvent trop vite. Ils ne savent pas comment ça s'organiser comme ça. Les ressources humaines sont là, mais ils se garochent partout, ils ne savent pas. J'ai quelqu'un de très proche à moi qui était dans une compagnie que je nommerai pas de création. Puis c'était la même chose, des histoires d'horreur qu'il m'a conté dans ce genre-là. Mais c'est ça, c'était une compagnie qui a énormément grossi. Les ressources humaines, ben, ils pédalent, mais c'est chaque. En plus, c'est que tous les projets sont comme relativement indépendants. Mais un jeu vidéo, c'est comme ça. J'ai un ami qui travaille chez Ubisoft aussi, qui est comme un producteur associé. Ben, lui, il gère son projet, mais il y a d'autres projets chez Ubi, ils se parlent jamais, ils sont comme
c'est c'est comme si c'est des micro-jobs à l'intérieur d'une grosse job. Fait que oui, c'est des équipes, mais si à l'intérieur des équipes, ils se parlent pas, puis ils parlent pas en haut, ben ça finit jamais. Puis après ça, ben il y a aussi le fait de dire, ah oui, les plaintes au nombre de travail, ouais, oui. Sauf qu'il y a toujours la peur de garde, c'est des bonnes jobs. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que si ça se fait après ça, ben là, le monde, ils ont peur. Puis c'est juste normal. Je me retrouverai pas de job, je vais être barré. Parce que c'est des jobs à contrat. Puis tout le monde se connaît. Fait que s'il travaille plus là, il pourra plus travailler par ailleurs. Ouais, si tu travailles chez Ubi, ben là, on parle d'Ubi parce que c'est là. Mais après ça, OK, ben là, l'autre studio à Montréal, on se dit, bon, mais gars, le fout de trouble. Fait que C'est pas chiant à dire, mais c'est une industrie très masculine aussi. Masculine. Oui, puis là, tu sais, t'entendais l'histoire du gars qui se vantait du nombre de filles avec qui il couchait au Waverly, le bar devant Ubisoft. Là, t'es comme, OK. Fait que, puis là, ce gars-là, il est adulé par les autres. Tout le monde est comme, oh my god. Fait que là, ben, les autres commencent à agir comme lui. Puis ça, c'est une culture complète d'entreprise, là, clairement, qui est pognée, puis qui est coincée. Puis oui, ça passe. Peut-être qu'éventuellement, ça va prendre ça des syndicats, puis surtout pour les heures de travail qu'ils font, là, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Mais clairement, la culture d'entreprise doit changer au complet, le leadership doit changer. Puis ça part d'en haut, ça part de Yves, là. Je m'excuse, mais ça part de lui. Ouais. Puis, mais c'est ça qui était rassurant, que certains employés se sont sentis rassurés, c'est que Yves, il n'a pas pris du temps, il n'est pas passé par un communiqué de presse, il a parlé tout de suite à des journalistes en disant que lui-même allait prendre. Maintenant, on attend. Si tu peux dire quelque chose, est-ce que les actions vont être prises en rapport avec ce que tu dis? C'est bien beau dire que tu vas changer la culture, mais vas-tu vraiment la changer? Ça, on va le savoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puis pour revenir un petit peu ce que... François disait, il y a une femme chez Insomniac Games qui a une dizaine d'années. Elle s'est, avec tout ce qui se passe, elle s'est elle aussi livrée. Elle travaille chez Unity maintenant et elle disait que chez Insomniac Games, son ancien directeur lui a menacé parce qu'elle a annoncé qu'elle quittait Insomniac Games pour ces raisons-là aux ressources humaines. Le directeur a été mis au courant que c'était à cause de lui, entre guillemets, et d'harcèlement. Et le directeur a menacé la fille, elle a dit « Ah, mais tu n'iras pas travailler pour aucun autre studio qui appartient à Sony parce que moi, je vais te bloquer. Tu ne pourras plus travailler dans aucun autre studio, puis ça ne marchera pas. » Des gens comme ça, ça me vient me chercher. Pour vrai, j'ai juste envie de dire des mauvais mots. Mais on n'en dira pas. Mais... Ah ouais. C'est sûr. Quand ça arrive, des choses comme ça, la plupart du temps, c'est juste le dessus de l'iceberg. Là. On va pas ce qui est caché en dessous. Là. Il y en a peut-être qui subissent ça en silence puis qui voudront jamais dénoncer. Ils diront jamais. Non, c'est sûr. Il y en a un paquet, puis c'est inacceptable, malheureusement. Puis il faut... C'est poche, mais il faut que ça... Mais non, c'est pas poche, mais c'est logique. T'sais, c'est des messages qui doivent se passer à tous les paliers, qui doivent être répétés régulièrement. C'est clairement c'est un problème, puis ils ont pas assez investi là-dedans parce que bon, ça coûte cher développer les jeux, puis t'essaies d'avoir tu dois couper dans le temps des fois pour parce que tu peux pas donner trop de temps, tu dois livrer ton jeu à temps puis tout. Fait que non, je pense que c'est des choses, puis d'être témoin de certaines affaires, puis de laisser aller, puis de laisser ça couler, c'est ça qui est pas correct, parce que c'est là que ça se répand aussi, que c'est dangereux. Parce que j'apprécie. Direct. Ce que j'apprécie, c'est que le fait que ça soit sorti comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui vont speak up quand ils voient leurs collègues se faire harceler. J'ai vraiment l'impression que ça va aider. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un beau point. Exact. Depuis tellement d'années. Là. Je veux dire, c'est sorti là, mais ça fait pas 2 mois. Là. Non, c'est clair. Non, c'est clair. C'est Ubisoft qui est pointé du doigt, mais c'est qu'au final, c'est vraiment pas pareil. Là. Ah ouais, ben oui, que, peut-être, mais comme dans beaucoup de mouvements, il faut que ça qu'il y ait un mouvement qui parte. Je pense que c'est comme on a Max dit aussi sur le chat, c'est que c'est important d'en parler, autant nous autres qui en parlent là, mais autant aussi dans les différentes compagnies, essayer, puis les mouvements commencent comme ça. Puis il y a des formations pour ça. Je veux dire, moi, où je travaille, on a des formations qui nous disent clairement comment se comporter au travail, puis que si on est témoin de comportements qui ne sont pas acceptables, voici les étapes à suivre pour s'assurer que
ça se reproduise pas, puis que la personne qui fait un comportement inapproprié, que ça stoppe direct aussi. Ouais, puis qu'il y a des conséquences l'entreprise, aussi. C'est l'entreprise aussi qui, à un moment donné, elle doit établir ces règles-là pour dire, OK, nous autres, on fonctionne dans un cadre, puis c'est ça qui fonctionne, puis l'abus, le harcèlement, le peu importe de la façon que c'est fait, c'est pas accepté ici. Mmh. Oui. T'sais, moi aussi, à mon travail, il y a eu des genres de formation qui avaient... Mais autant toi que moi, on travaille pour des grosses boîtes. Sauf que souvent, comme j'expliquais tantôt, les PME, ben ils commencent, qu'ils avancent, ben ils sont leadés par des projets. L'argent rentre au projet. Ouais. Fait qu'on dirait que, bon, ben mettre du temps, de l'énergie, de l'argent sur ces politiques, stratégies-là, ben on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Fait que c'est... Mm. Fait que, oui, il y a une question. En même temps, si ça part du gros studio Ubisoft, ben, il y a moins de risques que ça suive dans les petites compagnies indie qui s'ouvrent avec des anciens membres de cette équipe-là aussi. C'est là, on regardait, il y a un des gars qui est rendu chez Lune Rouge avec Guy Laliberté, et puis il a fait son propre studio Reflector, puis je suis sûr que ça doit être similaire à la culture là, en ce moment à cause de... Il va continuer d'agir comme il agissait avant. Exact. Puis si lui, ça... en plus, c'est le boss de la compagnie, il va juste propager ça à tout le monde. T'sais. Exact, exact. Mm-hmm. Fait que mais moi, j'avais un prof d'économie qui disait que ça le frustrait de voir sur le marché à quel point les leaders qui pilent sur le monde sont vus comme les boss en ce moment, au lieu que ça soit les gens qui réussissent à aller chercher le meilleur de tous leurs employés, sans crier, mais vraiment en leadant par l'exemple. Fait que j'espère que tranquillement, on va évoluer toute la société à ce niveau-là. Là. Mais y a-t-il quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose sur ce sujet ou on passe au prochain? Ben non, sinon rapidement peut-être dire que comme François disait, c'est pas le seul studio qui va être mis en ligne de compte. Electronic Arts a annoncé également, sans donner de détails, qui lançait des enquêtes internes aussi au sein de ces Exact. Studios. Mais ça nous mène à nous poser des questions aussi sur qu'est-ce qui est arrivé du côté Twitch. On a vu que deux populaires Twitchers se sont fait bannir, Trump et Dr. Disrespect. Qui sont fait kick-out. Dr. Disrespect, là, il me fait penser à un espèce de républicain du Texas ultra intense. Ouais, c'est un personnage, pour vrai, on sait pas comment il est pour vrai. Non, exact. Moi, ce qui me fait plus drôle, c'est de voir sur Internet des personnes qui croient Dr. Disrespect quand il écrit sur Twitter, du moins son compte Twitter écrit, parce que je peux vous rappeler qu'il peut donner ses accès à ses avocats, hein. ça change rien, mais qui dit que Twitch lui a donné aucune raison, parce que là, on parle d'un de bannissement permanent et non pas temporaire. Puis je suis désolé, mon cher docteur Disrespect. Ouais, t'en avais déjà eu un banni. Oui, temporaire. Ouais, exact. Mais viens pas me dire que Twitch t'ont pas dit pourquoi. Je suis persuadé que c'est parce qu'il y a peut-être des enquêtes en cours, soit avec la police, soit avec soi, et Twitch n'a pas le droit. Viens pas me dire que même s'ils te l'ont pas dit, tu sais pas pourquoi. Un ban permanent de Twitch, c'est un ban permanent, là. C'est rare. D'habitude, tu devrais avoir un très bon indice. Qu'est-ce que tu as fait? C'est peut-être que parmi toutes les choses qu'il a faites, tu sais pas c'est laquelle qui a créé ça. C'est peut-être ça. On sait pas, là. Permanent, ça doit être l'accumulation. Ben, tu sais, parce que je veux dire, il y a encore la Twitcher qui avait été accusée de violence envers son animal domestique, a été bannie temporairement. Elle est de retour sur Twitch. Donc, pour que Twitch te bannisse définitivement, je suis désolé, mais t'es au courant. Puis c'est juste, attends-toi pas que Twitch vont le dire sur la place publique, surtout s'il y a une enquête de police ou quoi que ce soit, ou d'avocat. Ils ont pas le droit d'en parler. Ouais, mais... sûrement que les avocats ont mis là-dedans. C'est ça. Mais... il sait pourquoi, là. C'est juste qu'il dit pas. Non, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il sait pourquoi. Là. C'est sûr. Mais Trump, c'est drôle. Voilà. Mais Trump, ça, je l'ai pas dit. C'est correct aussi. Bah, c'est juste parce que dans certaines... parce que Twitch commence avec ce qui est arrivé chez Ubisoft, etc., etc. Mm-hmm. Twitch sont comme... Vous avez peut-être commencé à faire respecter notre guide d'utilisation qu'on fait accepter à tout le monde, hein, parce qu'on le faisait pas respecter. Il y a un code de conduite à suivre. Exact. Puis dans certaines conférences de presse, vous savez les propos de Trump, des fois, qui dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Et je veux dire, moi, je dirais ça sur un stream, sur mes streams personnels. Je peux pas te dire ma chaîne serait bannie en 2 secondes, même pas. Ouais, c'est clair. C'est pour la preuve,
L'équipe de Trump n'a même pas parlé de la situation. Aucunement. Ben, il était sur Twitch, je ne savais même pas. Oui, ben, il rediffusait dans le... Il faisait ses conférences. Exactement, okay. Il diffusait ses Moi, conférences. Moi, je pensais que c'était le gars qui jouait à Hearthstone. Non. C'est bien Donald, notre cher président voisin. Alright, excellent. Sinon, finalement, après tout ce temps, Fortnite n'est plus en accès anticipé. Ben oui, ben, attends, c'est rendu un jeu, là. Ben, c'est mal. Ce qui est drôle, c'est ça, c'est que plusieurs personnes ne se rappelaient plus qu'ils étaient tellement habitués de loader Fortnite qu'ils se rappelaient même plus qu'en haut à droite, il était marqué Early Access depuis déjà très, très, très longtemps. Puis tout le monde, même moi, un moment donné, je me suis demandé, OK, mais ça sert à quoi de garder Early Access? Niaisez-moi pas, vous faites des mises à jour tout le temps. Là. Vous savez quoi, vous allez garder toute votre vie le titre Early Access, tu sais? Et là, Epic Games a annoncé que Fortnite va quitter Accès Anticipé. Ça veut absolument rien dire parce que ça n'apportera pas de nouveauté ni rien. Il y a juste le mode sauver le monde qui va devenir plus cher qu'il est actuellement. De toute façon, il n'y a personne qui joue. Il n'y a personne qui joue. Ouais, exact. Il n'y a personne qui joue à ce mode-là de jeu de toute façon parce que c'est plate. Mais ben voilà. C'est le mode qui était payant aussi. Ouais. Donc, vous ne verrez plus le petit carré jaune en haut à droite de votre écran. Ben, Colin. Le jeu va être meilleur. Je garantis rien. C'est plus cher. Oh là là. Excellent. Alors, c'était la petite nouvelle rapide. Alors, terminons avec notre gros sujet du jour. On a publié notre top 10 sur le site de Geeks & Com. Par contre, on a peu l'avis de tout le monde, fait que je suis bien curieux d'entendre... C'est Alexa. Ça, c'est drôle. C'est Alexa. Alexa veut encore s'en mêler. C'est une fois par soirée. Hein. La semaine le dernier podcast, c'était ça aussi. Si vous ne savez pas, on a un autre rédacteur au sein de Geeks.com, c'est Alexa. Elle s'appelle Alexa. Elle est là c'est depuis longtemps, quand même. En ouais, plusieurs mais... exemplaires chez Anthony. Ouais, c'est gênant, ça. Mais bon. Faudrait que je m'habitue à les muter. Là. Mais ça dépend ce qu'elle diffuse. Là, elle a rien diffusé de gênant. On sait pas. Non, elle a parti les nouvelles. Je te jure, elle a parti les nouvelles. Ben, ça se dit, on s'en passe aux nouvelles. C'est vrai. On a parlé de Trump. Si CNN t'écoute chez vous, il doit avoir check bien CIA débarqué chez vous. Fait que on a sorti notre top 10, mais je suis curieux parce qu'on a pas eu, par exemple, Mel, on a pas eu vraiment son opinion sur le top 10. On avait Marc qui avait les jeux qu'il a nommés puis qu'on n'a pas retenu. Que honnêtement, j'ai essayé de leur faire la place. J'ai essayé de leur faire la place, mais là. Simulator. Je voulais mettre Gold Simulator. On m'a dit non, je pouvais pas. La déception qui était sortie depuis plusieurs années. Non, mais le jeu qui est pas dedans, c'est tout simplement MLB The Show. Mais si on aurait fait un top 15, il aurait été sans doute 11 ou 12e position. Ouais, mais il y a deux jeux qui m'ont fait de la peine de pas mettre. Tu as parlé justement de MLB The Show, c'était un des jeux. Au niveau du sport, mais il y a aussi Blood Roots que j'avais vraiment envie aussi d'insérer dans le top 10, mais à un moment donné, il fallait qu'on... C'est surprenant, déjà, en 6 mois, là, il y a tellement des grosses sorties qu'on était obligé de couper les jeux qu'on aurait aimé bien voir dans cette liste. Ouais, puis quand on a fait la liste, on a tous été surpris, on était comme, bah finalement, il y en a sorti quand même pas mal des jeux. Oui, des très bons jeux. Ouais. En ce début d'année. Oui, exact. Fait que, est-ce qu'on commence le décompte avec notre 10e jeu? On commence pas par le premier? Ouais, c'est mieux que le premier. Non, je commencerai pas avec le premier. Oh là là. Fait que, allons-y avec le numéro 10. Le numéro 10 qui est un jeu qui a 60 millions de joueurs ont téléchargé. Je sais pas si les 60 millions ont joué, mais... On n'avait pas le choix de le mettre, puis moi j'ai eu beaucoup de plaisir sur le jeu aussi. Alors, Call of Duty Warzone, qui va rester pour encore très longtemps, selon moi. Activision va s'arranger pour retenir ce jeu-là pendant encore très plusieurs années probablement. Peu importe qu'est-ce qui arrive pour les prochains opus de Call of Duty, puis anyway, c'est indépendant. Alors, écoute, somehow, magiquement, Activision a réussi à réinventer un peu le Battle Royale avec Call of Duty Warzone. Marc, tu joues encore beaucoup? Ouais, j'y joue quand même
quand même pas si pire. J'y joue moins, j'ai bien joué dans cette nouvelle saison qui s'est lancée au début du mois de juin. Ah, ben voyons, Marc. Mais oui, mais... J'y joue à tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, oui, oui, oui. Je suis rendu à quelque chose comme une douzaine de victoires. Là. Oh là là, oh là là, mais oui, il a réussi à réinventer un genre, entre guillemets. Pas une grosse réinvention, on se le cachera pas. La seule différence, c'est qu'ils ont réussi à faire ce que l'équipe de PUBG n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire garder la hype sur leur jeu pendant plusieurs mois. Mais pas juste ça, je trouve que le jeu est plus accessible parce qu'une fois que tu meurs, tu as encore une chance de retourner dans le jeu. Exactement. Fait que ça donne une maudite... Ça donne une petite chance de plus aux joueurs qui sont nouveaux. Je trouve que c'est une bonne approche. Puis ça force aussi le joueur. Là, tu es dans les goulags, tu dois faire un 1 contre 1. Fait que ça te force aussi à sortir tes skills un peu. Puis, vu que c'est 1 contre 1, tu as moins de risque de te faire ganker par une équipe. Fait que ça voit, tu testes vraiment les skills du joueur. Je trouve ça intéressant. Ouais, puis il est moins difficile qu'un PUBG. Tu as bien raison. Ouais, tout à fait, exactement. PUBG, tu reçois 3 balles. Tu peux toujours revenir. C'est la difficulté qu'Activision a en ce moment, c'est de réussir à balancer le tout, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui sont bons soient récompensés, mais faire en sorte que ceux qui sont moins bons, eux, restent intéressés au jeu. Parce que on peut t'as le goulag, comme tu dis, fait que tu peux revenir une deuxième fois, on peut te racheter, ton équipe peut te ramener en tout temps. Puis là, il y a des missions qui ont été rachetées qui font en sorte qu'on peut te ramener dans la partie sans avoir à débourser un seul dollar dans le jeu. Fait que tu sais, il y a comme plein de façons de faire en sorte que les gens peuvent y revenir, mais au moins ça les garde actifs, ça fait en sorte que même si t'es mort, ben tu vas continuer à aider ton équipe, tu vas essayer de voir avec eux autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent aller te sauver à un certain endroit, puis est-ce que ça va être safe. Bref, honnêtement, le jeu, et en plus, il est très immersif, puis très, on va dire, pas réaliste, mais ça reste un des battle royale les plus réalistes sur le marché. C'est peut-être ma seule critique que j'ai envers Activision, c'est qu'on dirait qu'ils s'en vont un petit peu moins vers le réalisme, s'en vont plus vers le côté arcade avec leur tracer et les balles de couleur et tout ce qui est un petit peu trop coloré, à mon avis, qui fait en sorte que ça fait aucun sens. Mais bon. Non, mais bientôt, ils vont avoir un bus. Ils font de l'argent. Ils vont avoir un bus comme dans Fortnite, non? Ouais, c'est ça, on va arriver avec ça. Là, à un moment donné, on va se promener à dos d'éléphant ou des affaires qui font aucun sens. Il y a la nouvelle mise à jour. L'as-tu essayé la nouvelle mise à jour qui avait à 200 joueurs? Non, parce que ça m'a pris 4 heures à télécharger hier. Ouais, le 2. Ça, c'est la chose. La semaine passée, on se dit, on va jouer. Ok, c'était comme la saison commençait. Ah, ça avait 120 gigs à downloader. C'est comme, vraiment. Je me suis acheté un disque dur, là, comme je vous disais tantôt avant, parce que là, c'était rendu juste n'importe quoi. T'avais pas encore de disque dur? Non, je suis mon 500 gigs depuis le début. Mais là, ouais. T'es bon. Je me suis tanné à un moment donné, parce qu'à chaque nouveau jeu, c'est comme, OK, j'enlève lui, je remets lui. C'est ça que la mise à jour a faite hier. Surtout que Call of Duty, la mise à jour du début de saison, elle a été vraiment controversée. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de repackager le jeu. Parce qu'on était rendu à beaucoup trop de gigs du jeu. Fait qu'ils ont décidé de repackager, ce qui forçait à tout le monde de retélécharger au complet le jeu. Ce qui est pas vraiment cool, comme on le dit quand on est rendu à 110 gigs à télécharger. Et comme Anto le dit, le jeu est là pour rester pendant longtemps. Fait qu'imaginez-vous le nombre de mises à jour. On va être rendu à genre 2 Tera dans 2 ans là, sur l'espace juste pour Call of Duty. Ben déjà, ce qu'on a fait là, en termes de téléchargement, d'après moi, on doit avoir pogné le Tera quasiment dans l'autre depuis qu'il est sorti. Ben oui. Tu vas avoir juste pour ça une console. Tu vas avoir la console PS5, Call of Duty Edition, puis ça fait juste code, puis rien d'autre. Mais non, mais en fait. Et ça te vendrait. En fait, maintenant, ça peut plus être PS5, c'est plus eux qui ont partenariat. C'est plus Xbox. Sony, c'est Xbox, ils l'ont repris. Fait que, ça va débarquer sur Stadia, puis le problème va être réglé. Et voilà. Mais j'avoue, il manque Warzone sur Stadia. PUBG, je sais, arrivé. Je suis d'accord. PUBG, je suis d'accord. Pas Warzone. Il y a des jeux intéressants qui s'ajoutent. Là, je voyais Monster Boy sur Stadia. Là, c'est tellement un bon jeu de plateforme. Ouais, j'ai hâte d'y jouer. François nous en avait parlé pas mal. Excellent jeu. Continuons. Notre numéro 9. Qu'est-ce qu'on avait en 9e place déjà, j'ai un blanc. Minecraft, on avait Minecraft.
Minecraft Dungeon. Finalement, Microsoft va rendre son investissement tranquillement pas vite rentable de 2 milliards pour l'achat de la franchise. Oh, je pense qu'ils l'ont. Je pense qu'ils l'ont déjà remboursé avec la version de Minecraft normale, je pense. Ah ouais, je pense qu'ils ramasseraient 150 millions par année juste avec la version Minecraft. Fait que tranquillement, avec les jouets et tout, ils ont sûrement refaire leur argent. Fait que 6 ans plus tard, 6 ans après l'achat, Minecraft Dungeons débarque du studio Double Eleven et de Mojang Studios. Puis c'est le fun parce que Microsoft a pas décidé que c'était exclusif à la console. Les joueurs Switch, PS4, PC peuvent aussi se lancer dans l'aventure. Marc, t'as pas mal joué à ce jeu-là. Oui, j'ai pas mal joué. Je vais continuer de rejouer parce que la vidéo que vous venez de voir, c'est pour le DLC, premier DLC de Minecraft Dungeon qui est sorti aujourd'hui même, le 1er juillet, que j'ai pas encore testé, mais que je vais tester, bien entendu. C'est un hack and slash type Diablo extrêmement accessible, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux. Il y a quand même un défi pour ceux qui disent que c'est trop facile. Augmentez donc votre niveau de difficulté, puis après vous viendrez m'en reparler. C'est dit. Donc voilà, non, pour vrai, c'est un très bon jeu, des références à Minecraft. Si vous avez déjà joué à Minecraft, comme moi, j'ai beaucoup joué à Minecraft. Si vous avez déjà joué au jeu original, il y a beaucoup, beaucoup de références. C'est vraiment le fun à jouer. Puis ça peut être une très, très bonne expérience pour les plus jeunes, pour les initier à ce type de jouabilité sans risquer d'avoir du sang partout dans l'écran. Parce qu'il n'y a pas de sang. On est dans Minecraft. C'est pas Diablo. C'est bien dit, excellent. Fait qu'il y a une grosse recommandation de notre côté. On enchaîne avec le numéro 8. Kevin, parle-moi de Streets of Rage. Oh, Streets of Rage 4. Hey, les gens qui trippent cette série-là ont entendu 16 ans. 16 ans. C'est pire que Beyond Good and Evil 2, ça. C'est aussi pire que FF7. Aussi pire que FF7. Non, quand même pas. On parle de 16 ans. T'étais même pas né, Marc. Mais bon, Ouais, 10 ans d'Esperado. Ouais, non, c'est ça, c'était long, ça aussi. Mais bon, bref, 16 ans d'attente pour un jeu de baston. On s'entend qu'en plus, c'est un jeu de baston, c'est pas censé être bien, bien compliqué. Ben, pourtant, c'est le temps que les gens ont entendu, mais maudit que ça valait la peine. Moi qui adore ce style-là, tu sais, les jeux arcades, là, à la Teenage Mutant Ninja Turtle, Final Fight, déjà tu te casses pas la tête là, où est-ce que tout ce que tu fais c'est que tu tapes sur un bouton là, puis des fois un deuxième parce que tu veux sauter dans les airs, puis c'est pas mal ça. Ben c'est exactement ça, Streets of Rage 4, mais en plus de ça, tu rajoutes à ça une direction artistique qui est sans faille. Honnêtement, graphiquement, c'est super beau. Ouais, les animations sont malades. C'est vraiment excessivement là, c'est super léché. Ça fait très BD évidemment, mais c'est vraiment excessivement magnifique. La musique aussi qui de chacun des niveaux est faite avec amour, on le sent que la personne a vraiment voulu s'adapter à ce que les créateurs ont décidé de faire au niveau des niveaux, fait que c'est vraiment très bon. Le jeu est un peu court par contre, on se le cachera pas, mais ça va avec le prix aussi, fait que on s'en plaindra pas. Mais on peut y jouer en ligne, ce qui est pas vraiment le cas dans la grande majorité des jeux beat'em up. Habituellement c'est tu joues chez vous bien, avec tes amis si jamais ils sont là, puis ben, débrouille-toi. Mais là, tu peux jouer en ligne. Chacun des personnages, il y en a quand même 5 qui sont jouables. Bon, ben, chacun a leurs caractéristiques. Puis en plus de ça, ils ont leur version antécédente que tu peux déverrouiller. Puis il y a plein de niveaux de difficulté qui font en sorte que, honnêtement, il y a une bonne rejouabilité malgré le fait que c'est ça, ça reste relativement court. C'est bon, là, jouez-y. Puis c'est sur toutes les consoles en plus. Ah, il est sur Game Pass. Je sais pas si Game Pass PC et console, mais... Peu importe, parce qu'il est sur console ou PC, mais si tu pognes la version, c'est Xbox Play Anywhere. Fait que je pense qu'il est juste sur PC, mais si tu le pognes sur PC, il tombe dans ta Xbox ou vice-versa. Fait que voilà. C'est génial. Ouais, mais tu peux l'avoir sur Xbox aussi, Bon, il est vraiment surtout. La seule chose qui était triste, c'était qu'il n'était pas disponible en version physique. Moi, ça m'attriste un peu. En dehors de Limited Run Game, mais si on le sait que ça coûte une fortune. Mais ils ont quand même annoncé qu'elle allait en sortir des copies physiques. Fait que vous allez pouvoir nous en acheter une parce que Colin, c'est beau sur une bibliothèque. Sans doute en 2022, quand le COVID va être fini. Je suis enthousiaste. Merci, Rabat-Joie. Le mot du Rabat-Joie. Connard de merde. Oh, oh. Oh.
On va couper Anthony, bougez pas. Non, c'est ça. Ouais, notre leader est pas supposé dire des choses. Ouais, on a un leader négatif dans notre équipe. Hey, Char. Oups. Au revoir. C'est ça le show. On arrête à 8e position de notre top 10. All right. Fait continuons. Ben, Kevin, tu vas continuer parce que t'en as déjà parlé tantôt. Je l'ai fait disparaître. Yes, Desperado 3. Ben, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus à part que, honnêtement, c'est un jeu m'a quand même pris par surprise. Je veux dire, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Je regrette seulement de pas avoir un PC assez puissant pour pouvoir jouer sur PC parce que je suis sûr que c'est encore mieux. Mais un univers western, je veux dire, Colin, j'ai quasiment l'impression d'être Clint Eastwood, là. C'est tellement bien fait. L'histoire aussi est prenante. Tu sais, ça a l'air d'être une histoire basique. On s'entend qu'un western, un bon western, là, ça prend juste une histoire avec une vengeance, là, puis un bon, un méchant, la façon de gagner. Ouais, un bon, un méchant, une brute, un truand, ou quelque chose comme ça, là, dans ces mots-là. La petite boule de foin. Oui, c'est ça, puis le petit bout d'harmonica, là. Mais, je veux dire, on embarque tout de suite en partant parce que c'est très cinématographique. C'est voulu pour qu'on se croit comme dans un film. La seule chose qui manque, c'est du spaghetti, parce que, tu sais, western spaghetti. OK, bon. Fait que bref, jouez-y. Si vous avez aimé Shadow Tactics, si vous avez aimé Shadow Tactics, vous allez aimer Desperado 3. C'est fait par exactement le même studio, Mimimi Games. Et non, je ne bégaye pas, Mimimi Games. mais voilà, c'est honnêtement, là, tu m'aurais dit au début de l'année, il y a un jeu de western qui va être dans un top 10 de mi-année. Là, je t'aurais dit, c'est menteur. C'est pas vrai, Red Dead il est sorti l'année passée. Non, c'est ça. Et voilà. Excellent. Très bien, très bien. Merci, Kev. Ben, on va continuer. C'est encore toi, mon Kev. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le 6? C'est Kiro. Non, Nioh 2. Nioh. Ah, ouais. Hey, OK. Nioh 2. Il est parti sur le monologue. Non, mais quand ils ont dit, genre, on va faire un Nioh 2, moi, j'ai fait comme, ben, ouais, sérieux, c'est nécessaire, guys. Je veux dire, le premier était très bon. Il me semble qu'on a fait le tour, l'histoire était bonne, puis je vois pas pourquoi on y retournerait. Ben, Colin, ils ont mis une autre couche par-dessus Nioh 1, puis ils ont fait ça encore meilleur. On joue pas le même personnage, on joue un personnage qui est personnalisable vraiment là, de fond en comble. On peut y faire la face qu'on veut, qu'il soit beau, qu'il soit laid. Puis, ouais, exactement, Anthony, tu as tout compris le principe. Tu fais bien ça. Puis, la face de lettre, c'est mon expertise. Ta face de lettre, ton expression préférée. Ah, OK, cool. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans Nioh 2, notre personnage est à moitié humain, moitié yokai, c'est-à-dire une espèce d'esprit japonais, qui peut se transformer. C'est la grosse nouveauté qu'il y a dans celui-ci, mais ça fait en sorte que ça amène une jouabilité vraiment différente. Donc, lorsqu'on se retrouve devant des boss qu'on a de la difficulté, ou même des personnages qui nous... avec qui on arrache, ben on peut se transformer pendant un bref instant puis tout ravager sur notre passage. Nioh 1 était difficile, Nioh 2 l'est aussi. Il y a encore pas de façon de changer le niveau de difficulté. C'est fait avec ou fait autre chose. on reste encore dans un univers très japonais. Honnêtement, je conseille pas aux gens de jouer à Nioh 2 sans avoir joué au premier. Surtout que le premier est trouvable vraiment là, à une fraction du prix. Là. C'est ridicule à quel point il est pas cher, étant donné qu'il fait partie des PlayStation Hits. Mais ça vaut la peine mais de vraiment... Il avait été donné aussi au PlayStation Plus juste avant la sortie de Nioh 2. Oui, c'est vrai en plus. Fait que vous l'avez fait jouer dans votre vidéo. Tu l'as transformé Kevin en yokai. Wow! Oh. C'est magnifique. Donc, sur ça, on est rendu à deux personnes de moins, Anto et Marc. Merci, bonsoir. Mais ça va vous donner une bonne idée à savoir si vous allez aimer ça, parce que on s'entend que les jeux qui sont ce qu'on appelle les Souls-like, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça. Ben,
faut quand même lui donner une chance parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez trouver la twist, le petit truc supplémentaire qui fait en sorte que vous allez accrocher à celui-ci. Ben, Nioh, honnêtement, fait partie des jeux de ce style qui sont dans les très bons. Donc, je le conseille fortement. Très bien, il demeure faisable aussi parce qu'il y a beaucoup d'acharnement. Oui. On recommence souvent, mais à force de recommencer, on pogne une twist comme à un moment donné, on sait où est-ce que nos ennemis vont arriver. Fait, on est capable de se placer à la bonne place, puis il y a une certaine expérience qu'on est capable de conserver avec nous autres aussi en même temps, puis d'améliorer notre arsenal. Tu découvres comment il bouge. Il y a beaucoup, beaucoup de recommencement puis d'acharnement, mais on dirait que malgré ça, on a l'impression qu'on progresse quand même toujours un petit peu pareil parce qu'on se rend toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Oui, exactement. Puis c'est les jeux qui, honnêtement, sont le plus gratifiant. Une fois que tu as réussi à battre un boss, tu as envie de crier de joie tellement que t'es comme, mon Dieu, j'aurais pas pensé que j'aurais réussi. Ben, tu sais, c'est pas dans Minecraft Dungeon que tu vas ressentir ça, sans vouloir insulter. Ça dépend. Mais ça dépend. Les premiers gros boss que tu gagnes, t'es comme, oh my God, je l'ai eu. En mode apocalypse, j'ai crié à la fin. J'ai crié à la fin. OK. OK, mon chum. On te voit, Marc. All right. Fait que ça nous amène à notre top 5. Cinquième position, un jeu qui m'a rempli d'adrénaline et qui a tellement bourré d'action et le fun, qui a réussi à surpasser son reboot de 2016. Je parle bien sûr de Doom Eternal. Quel bon jeu, un bon niveau de difficulté. Il y a vraiment, on maximise l'utilisation des armes parce que tu es obligé de switcher entre ton flamethrower, entre tes fusils aussi pour récupérer de l'armure, pour récupérer des vies, des points de vie, puis du ammo. Alors, en plus, ils ont amené des éléments de jeu de plateforme aussi, qui rend le jeu assez intéressant entre deux gros combats. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui joue à ce jeu-là ici, ou c'est pas mal juste moi? Pas encore. Pas fini le 1. Pas encore. OK, fait que ça va être dans votre liste. Ben écoutez, je vous recommande fortement, c'est un excellent jeu. En plus, il est sur Xbox One, PS4, PC, Stadia et prochainement sur Switch. Alors, vraiment, il n'y a pas de raison il de jouer. Il va être tellement bon sur Switch. Aïe. Ils sont mieux de sortir la Pro rapidement. Parce que, comment ça va rouler sa Switch? Oh my God. C'est le même studio qui a fait 12 2016 sur Switch qui s'occupe. Oui, à ma connaissance, oui. Bon, ben, achetez-les pas c'est sur Panic. Switch. Red Panic ou quelque chose comme ça. Voilà, achetez-les pas sur Switch. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça règle le problème. À moins que c'est tout ce que vous aviez. Là. Je veux dire, c'est quand même, ça reste pas dans les pires ports de la console. Non. Mais c'est pas dans les bons. Hashtag The Witcher. Ça rentre avec The Outer Worlds, je veux dire. Aïe. C'est insultant. All right. Poursuivons. Numéro 4, un jeu qu'on a tous mis beaucoup trop d'heures dedans. Animal Crossing New Horizons. On en parlait tantôt avec la mise à jour. Moi, je suis rendu à 100 heures. Marc est rendu 90. Moi, je suis à 120. Ma mère est à 120. Fait que, comme vous voyez, c'était la pandémie puis on n'avait pas grand-chose à faire. Non, c'est pas vrai. C'est un excellent jeu. 120, vraiment... ça fait à peu près 3-4 semaines que j'ai pas touché. Là. Quoi? Ouais, c'est ça, moi aussi. Tu y vas pas à tout. Fait... Quoi? Et moi, ça fait au moins un mois. Là. Il faut y aller à tous les jours, gang! Oh là là! Non. Oublie ça. Là. J'ai jamais revu le raton qui vendait des pièces d'or dans l'antiquité. C'est normal, parce qu'il faut que tu te connectes à tous les jours. Ouais, mais je l'ai jamais revu, même si j'y avais... j'avais continué de jouer pendant 2-3 semaines. Ah! Alors, voilà. On va voir Pascal dans la mise à jour. Pascal la loutre! C'est le fun. Mais on dirait que j'ai comme eu mon... Ça a comme débordé, là. À un moment donné, là, j'ai tellement joué. Puis là, j'ai débarqué du jour au lendemain complètement. Puis, en fait, moi, c'est Xeno qui est arrivé. Fait que... Ah ben, il y a eu Xeno, mais il y a eu Final Fantasy puis The Last of Us. Puis vous allez voir que c'est des jeux qui font partie de Xeno. Ouais, c'est ça. De nos top 10. Non, mais quand je vois des amis à 390 heures, c'est un peu exagéré. C'est un peu beaucoup, ça. What? Non, mais je trouve qu'à un moment donné, on fait le tour, puis j'avais tout ce que je voulais, alors
puis j'avais plus de challenge, alors j'ai t'as remboursé ta maison, t'étais correct. C'est ça. Mais à 390 heures, t'as fait quoi? Genre, tu domines le monde, la planète t'appartient, je veux dire. Il y en a, ben j'ai vu son île, puis pour vrai, il y a 390 heures de travail sur son île. Okay. Son île, mais il y en a qui façonnent leur île après, ouais, c'est ça. Nous autres, on est rendus où on peut façonner, puis moi, j'ai comme... À 390 heures, moi, je veux un château de princesse, ouais. Rien de moins. Moi, j'ai essayé de modifier mon île, parce que je me suis dit, hey, j'ai fini de rembourser ma maison, ce serait cool d'avoir enfin une île qui a de l'allure, tu sais. Ça a duré 30 minutes, j'ai arrêté, j'ai dit, Chris, je suis ouais. Hey, mais il y en a qui se font des plans, là, tu sais, ils ont sorti une feuille quadrillée avec, tu sais, ils ont toutes délimité, puis ils ont dit, OK, je vais aller mettre ça là, les maisons vont aller là, puis après ça, c'est comme go. OK. C'est pour ça que les Sims ne m'ont jamais intéressé, c'est correct. C'est un genre pour des gens comme ça, c'est correct. Ah oui, il y en a pour tous les goûts. Ah oui, puis il y a des gens qui, un peu comme les Sims ou quoi que ce soit, qui passent tellement d'heures, mais quand tu vois leur travail après, t'es comme, OK, ouais, finalement, ça a peut-être valu la peine. Ben oui. Ah, bon, pour moi, t'en l'aurais jamais valu, mais... Ben écoute, il y en a qui passent 300 ans sur Mario Kart 8, c'est même piste. Ben oui, justement, puis je les regarde, puis je les juge. Voilà. T'es okay. Regardez-moi ça, c'était là. Une histoire, moi. Regarde, il y a le Beach Club. Mes filles... Regarde ça. Mes filles, ont joué pas pire. Même mon gars, il joue à Animal Crossing, mais ils font rire de ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils se promènent, c'est ça, pareil. Ils jouent, mais... Ils ramassent pas de bois, ils vont pas... Ils ramassent des bébites, ils ramassent des poissons, mais tu sais, ils vont l'amener au musée, ils sont contents, ils vont au musée, mais on dirait qu'ils progressent pas, mais pour eux autres, c'est correct, tu sais. Mais ils sont heureux là-dedans, c'est correct aussi. Ça, exact. C'est le but d'Animal Crossing, c'est que ce soit accessible. Ah oui, ouais, j'ai accueilli tes filles, là, c'était merveilleux. Ils étaient contents, là, ils ont pogné plein de trucs. Donc, ben c'est quoi, je pense que ça va donner, un outil que quelqu'un qui avait pas, puis comme ça, ben, ils n'ont pas allé plus vite. Ben oui, puis c'était juste après Pâques aussi, fait que je leur avais donné du stock de Pâques que les autres, ils avaient manqué parce qu'il n'y avait pas le jeu à ce moment-là, fait qu'il y avait comme leur robe avec leur soulier de Pâques, avec leur petit maudit lapin. Ouais. Oui, exact. Ah, tu penses que c'est la perche que j'ai donnée, hein? Je pense que c'est ça que j'en avais deux. Oui, parce que oui. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de la fabriquer, eux autres, ou de l'avoir. Fait qu'ils l'avaient dessus. Sur le retour du live, j'ai trouvé ton château. Ouais, non, c'est que... Marc, depuis tantôt, il cherche ça. Oh boy. Oh my God! Oh my God! Avec une tête de pise en avant, hey, c'est quétaine rare, cette affaire-là. La map, on dirait... Mais la map, on dirait la map de Hall of Armor, en plus. Si tu me dis qu'il y a 390 heures derrière ça, là... Celle-là, il y en a sur l'île que je suis en train de regarder, là. C'est une vidéo de Chase Crossing qui visite des îles comme ça, un petit peu exceptionnelles. Cette île-là a demandé 915 heures totales de création. Ouais. Elle est gigantesque. Pour pouvoir construire, il faut d'abord terminer l'histoire, c'est-à-dire faire venir le musicien sur Kiki, je pense que c'est ça. Kiki. Sur notre île. Kiki, pas Kiki. Kiki. Kiki pose des questions. Kiki pose des questions, ça. Mais c'est ça. Fait qu'il faut réussir à le faire venir. Puis après ça, le générique embarque. Puis là, tu peux fasciner tes affaires. Fait que juste pour ça, il y a quand même plusieurs dizaines, un 40, 50 heures à faire aussi. Je veux dire, comme dit Renko, il aurait pu apprendre une langue rendue là, au nombre de temps qu'il a mis sur le jeu. Il est sorti en mars. Février? Non. Février, mars? Attends. Ouais, dans ce coin-là. 915 heures, c'est 38,13 jours. Il est sorti le 20 mars. Wow! 20 mars. 38,13 jours. Il est sorti complet, au début du confinement. Ça, c'est du big confinement, là. Ça, c'est du big confinement. Ça, c'est quelqu'un qui travaille pas de la maison, là. Ce qui travaille pas tout court. Effectivement. Ouais, c'est ça. Ah, it's okay. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont un mois et 8 jours à temps plein sans dormir. Wow. Mais on s'entend, il y a du stock, il y a de quoi faire. Les gens restent accrochés au jeu. Puis, honnêtement, je comprends pourquoi il y a des. Quand tu t'en vas façonner tes affaires, c'est ta créativité qui ressort aussi. Et rendu là, il n'y aura plus deux îles qui vont se ressembler, même s'il y en a quatre au départ. T'sais. Non, effectivement, puis il y a tout l'idée que si t'as des amis, tu peux aller visiter leur île, tu peux aller les aider dans leur construction. Il faut que tu débloques tous les objets qu'il y a à débloquer, puis Dieu sait que c'est long.
Puis c'est interminable parce qu'ils n'arrêtent pas d'en rajouter à chaque mise à jour. Fait qu'on n'a jamais fini d'en avoir. Y a-t-il quelqu'un qui s'est marié à date? Moi, je suis pas retourné depuis qu'on peut se marier. Ben, tu peux pas te marier officiellement. Non. Mais, tu peux voir un mariage. Ouais, ben quand tu finis toutes les photos de mariage, dans le fond, faut que tu ailles à tous les jours prendre des photos différentes. Après, tu as accès à tous les meubles de mariage que tu peux échanger contre une monnaie que tu reçois parce que tu as fait les photos. Donc, tu échanges contre des cœurs de cristal. Puis après, tu as tous les meubles de mariage. Donc, tu peux bel et bien te faire ton propre mariage sur ton île, si tu veux, avec les meubles. Ah, moi, la seule chose que j'ai regretté, que j'ai jamais réussi à avoir, c'est des étoiles filantes, parce que je voulais tellement en avoir. Ouais. Ouais, ça, c'est quand... J'en ai jamais vu. C'est quand Céleste te visite là, pendant ouais, le jour. Ouais, sinon, c'est aussi que... quand... c'est Isabelle, le nom de la fille du début, là. Marie? Marie, ouais. Quand elle te dit que ce soir, il va y avoir une pluie d'étoiles, ça veut dire que le soir même, il va y avoir des étoiles filantes. Mais c'est pour vrai, le but que je joue, ça m'est arrivé une fois qu'elle me l'a dit. T'sais. OK. Non, c'est ça, parce que moi, à chaque fois, j'allais y parler, elle me parlait du soap qu'elle a regardé la veille. Oui, oui, c'est à peu près ça tous les jours. Il venait d'arriver. C'est à peu près ça tous les jours. Tu vois, moi, ce matin, elle me disait encore si on avait écouté son émission de cuisine. Ouais, c'est voilà. Ça. Très passionnant, la discussion. Je n'allais pas y parler tous les jours. Non. Excellent. Fait que poursuivons. On en tombe dans le top 3. Et puis Kevin l'a bien dit parce que je pense que le top 3, c'est presque interchangeable, les jeux. C'est trois excellents jeux. On a mis en troisième position, on a mis Ori and the Will of the Wisps. Un autre jeu que Kevin a joué principalement. Moi, j'ai commencé. C'est sûr que je vais le faire. Je me donne encore un mois pour le terminer. Alors, Kev, parle-moi-en un peu. Ben oui, effectivement. Ori and the Will of the Wisps. J'ai toute la misère du monde à le dire. Comme Antoine l'a dit, là, c'est, je pense que si on m'aurait dit fin juin, Kev, Geeks & Com va avoir donné 3 notes de 10 sur 10 à des jeux, j'aurais fait comme « Ah, t'es-tu malade, toi? » Ben, Colin, c'est quand même ça qui est arrivé. Mm-hmm. Fait que, le premier, c'est Ori and the Will of the Wisps. Jeu style Metroidvania suite au premier qui a été vraiment un énorme succès parce que le jeu il est hyper fluide, il est dynamique. C'est un jeu qui est très très rapide, le personnage bouge excessivement vite, puis on a l'impression que l'action est toujours se déroule toujours très très bien. Fait que le rendu frame par seconde, là, image par seconde est vraiment sur la coche. Mais c'est un jeu qui est très coloré aussi. Chacun des mondes est très diversifié. Fait qu'on aime ça se promener d'un bord et de l'autre. Ce qui est le fun avec Ori and the Will of the Wisps, c'est qu'on a mis de l'emphase sur des aspects qu'il n'y avait pas dans le premier. Il y a beaucoup plus de personnages non-joueurs qui interagissent avec Ori, ce qui fait en sorte qu'on accroche avec les personnages, on a des dialogues, on a vraiment des conversations qu'il n'y avait pas nécessairement dans le premier. Puis chacun des personnages sont super bien faits, sont hauts en couleur, sont. Il y en a qui sont bizarres, mais reste que ça leur donne une personnalité. Et on a amélioré la jouabilité qu'il y avait dans le premier. On s'est inspiré des jeux qui ont eu énormément de succès dans les dernières années. Je pense à des Hollow Knight avec le système de badge. Donc, on a juste vraiment pris la même recette, mais on l'a amélioré. Moon Studio a fait une super belle job. Honnêtement, moi, le premier Ori était dans mes jeux préférés à vie. Ben, le deuxième, ça devient juste un tout. Ça fait juste dire, bon, ben, Ori fait partie maintenant de mes séries préférées. Je veux dire, j'ai juste hâte que parce que présentement, il est seulement sur Switch. PC et sur Xbox. J'ai juste hâte qu'il sorte sur d'autres consoles pour que les gens puissent en profiter. Puis dire à quel point Ori, c'est juste génial. Puis jouez-y maintenant. Mais à voir comment il est beau, mettons, sur Xbox. Est-ce que tu penses que sur Switch, il va être capable d'être aussi beau? J'ai vraiment aucun doute parce qu'avec le premier, il avait réussi à faire une super belle job. Fait que. Tu sais, oui, ça sera peut-être pas aussi exceptionnel, là. Je veux dire, si t'es bien équipé avec une bonne télé et tout, peut-être que effectivement, on va être en moins grande qualité, mais reste que, tu sais, l'important, c'est pas juste le fait qu'il faut qu'il soit beau, c'est faut qu'il soit jouable. Puis le premier était vraiment là, 100% jouable
de façon pareille autant sur Switch que sur Xbox quand j'ai testé les deux versions. Je m'attends à ce que le deuxième ce soit exactement la même chose. Je suis pas très inquiet. S'il sort sur Switch, parce qu'il y a pas longtemps, Xbox a déclaré que c'est pas parce que le premier était sur Switch que le deuxième allait devenir sur Switch. Non, c'est sûr. Fait que, à voir, voilà. Parce que la fameuse collaboration avec Nintendo et Xbox, je sais pas ce qui se passe, mais elle semble être tombée à l'eau ou je sais pas quoi. Pourtant, on a eu Blair Witch qui était une exclusivité Xbox qui vient de sortir sur Switch. Ouais, Minecraft Dungeons. Ouais. Je suis pas convaincu, moi, que c'est mort encore. Je pense que c'est plus secret. Ouais, mais Blair Witch, il sort sur PS4 aussi, hein, donc à faire attention. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Bon point. Enchaînons, il nous reste deux autres jeux. En deuxième position, je sais que le jeu, pas tout le monde est d'accord que ça mérite un top 3, mais pour moi, c'est incontestable. Je pense que pour François aussi, Final Fantasy VII Remake, ça aurait été facile de juste faire la même histoire. Puis là, le studio a réussi à moderniser un peu en gardant quand même la première visite intacte en partie, puis en ajoutant des petits trucs pour que ça tombe un peu pour faire leur propre touche, puis même la fin est assez un gros impact, là. Je donnerai pas les détails, mais quel excellent jeu. Ah, moi j'ai trippé vraiment au complet. C'est pas pour rien qu'on a donné cette note-là aussi. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais encore là, est-ce que c'est pour la même raison qu'on disait avec Last of Us? Est-ce qu'ils ont vraiment joué? Ils ont-tu joué une heure puis c'est assez? Ce jeu-là, il est long. Pour juste un chapitre, un chapitre, disons, là. Honnêtement, il est super beau. Oui, probablement qu'ils vont être mis sur la prochaine génération de consoles. Il va être encore plus beau. Mais comme tu dis, ils ont pas. Il aurait pu juste faire un port comme ils font souvent, là, un portage sur sa console en faisant une espèce de remaster. Non, là, ils ont vraiment refait le jeu au complet. Le système de combat est complètement changé. Ils ont gardé l'essence, ils ont gardé l'histoire, ils ont rajouté quelques petites affaires. Donc, pour moi, c'est sûr que, tu sais, pour les gens qui aiment pas les jeux de rôle, là, va pas là. Ben non. Exactement. T'sais, c'est comme moi, c'est pas Final Fantasy. T'aimais ça avant, je sais pas c'est quoi. Ben t'aimeras peut-être pas ça. Je veux dire, c'est une clientèle. Mais pour moi, tous ceux qui aiment Final Fantasy, que ce soit les anciens ou les plus récents, ça bat tous les Final qui ont sorti depuis à peu près quasiment 10 ans, à mon avis. Ah oui. C'est bien dit. C'est un mood, honnêtement, là, je veux dire. Ouais, moi, je me le suis procuré, puis j'ai joué peut-être quoi 5-6 heures, puis j'ai arrêté parce que j'étais pas dans un mood pour jouer à un jeu de rôle. Mais ça n'empêche pas que je peux absolument rien reprocher au jeu. Je veux dire, j'avais du plaisir, il est vraiment très beau. Honnêtement, les combats, moi, je déteste les combats en temps réel, mais ils ont réussi à faire une job qui fait en sorte que t'accroches tout de suite, puis que t'as juste envie d'avoir plus et plus de combats. Mais il y a des narrations pour chaque personnage, il n'y a rien qui est oublié. Ah ouais. Honnêtement, c'est impressionnant. Ils sont pas fades en plus, les personnages. Là, pour non, ils ont beaucoup de vie. Il y a beaucoup de finals parce que les personnages leur disent « Ouais, mais c'est parce qu'entre ça, puis il y a un arbuste, l'arbuste a plus de personnalité. » Ouais, mais dans celui-là, ils en ont donné bien plus, puis les personnages, tu veux en découvrir une histoire que tu connaissais pas auparavant avec Final Fantasy VII, le premier. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'étais comme « Oh my God, que je jouerais à... J'aimerais ça jouer la prochaine partie. » Là, ça me titillait cette semaine. Alors, j'espère que Square Enix, je pense qu'il y a une conférence qui s'en vient bientôt. Oui, ils vont dévoiler plein de choses. Oui, j'espère que ça va faire partie de ça. Puis je pense qu'on a des amis. Je pense que vous connaissez des gens qui travaillent chez Square Enix. Quelqu'un ici, là, alors... Non. Si vous pouvez me partager des choses en secret... Non. Anyway, c'est vraiment un jeu qu'il faut la peine. Allez-y, lancez-vous là-dedans. Et puis, mais comme on l'a dit, il faut être fan de RPG quand même. Pour ceux qui n'ont peut-être pas de PS4, hein, ça peut arriver. Sachez que c'est une exclusivité temporaire d'une année. Donc, lorsque ça va faire qu'un an que le jeu est sorti sur PS4, il va pouvoir sortir également sur Xbox et PC sans doute. Donc, pourquoi pas sur la nouvelle Xbox Series X, ça serait quand même assez très joli. Ouais, peut-être en Game Pass, tu sais. Ah, peut-être. On ne sait pas, vu que ça va faire un an que le jeu est sorti, effectivement. Ben, peut-être exact. En Game Pass. Pourquoi pas. Ça pourrait. Anyway, on verra. Alors,
Ça nous amène à la première position, puis je pense que j'ai pas eu besoin de m'obstiner longtemps que pour moi. C'est Shanté and the Seven Sirens. Non, c'est quoi déjà Dating Daddies? Ah oui, ben oui. Non, non, évidemment, notre première position va à un jeu qu'on a testé tout récemment, The Last of Us Part 2. Qui veut commencer? Qui veut nous en parler? Mel, t'as pas beaucoup, parlé. Puis on a parlé tantôt, mais. Oui, à votre top 10. Exact. Ouais. Ben, en fait, ça vient aussi rechercher ce que je disais au départ quand on parlait des jeux. C'est des jeux qui nous restent. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que le numéro 1 dans le top 10, c'est que même une fois l'histoire terminée, le jeu nous reste dans la tête. On y repense parce qu'il y a des clashs de valeurs auxquelles on va réfléchir. Il est pas la mécanique de jeu est quand même assez conviviale, elle est pas 100% conventionnelle, mais non. On s'y fait, puis ça vient naturel d'y jouer. Puis justement, d'avoir joué au 1 puis au 2 après, je m'en suis rendu compte parce qu'ils ont gardé la même mécanique, mais ils ont inversé les boutons. Oui. Fait qu'il a fallu que je m'adapte entre les deux versions, genre en dedans de 3 jours. Il n'y a pas grand monde, par exemple, qui ont joué les deux versions en même temps. Mais... Le nombre de personnes qui ont R1 puis L2 R2 sont switchés dans version PS3 versus PS4. Ben, d'après ce que j'ai compris, mais c'est un autre débat. moi, j'ai pas joué. Je regarde des vidéos de personnes jouer. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus agréable à la jouabilité. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ou... Quelque part aussi, c'est que c'est. En fait, ce que j'aime, c'est que on dirait que c'est un jeu qui est allé all-in. C'est hyper violent, l'histoire est profonde, t'as un paquet de personnages qui sont hyper bien développés. Au niveau de la mécanique, tu mélanges plusieurs mécaniques de jeu, il y a une partie shooter, il y a une partie stealth, il y a une partie d'exploration, tout ça mélangé avec un paquet de cinématiques qui passent comme dans du beurre, là. Je veux dire, tu t'en rends même pas compte quand tu passes de la cinématique au jeu. Puis, au niveau graphique, je veux dire, c'est tellement beau. Justement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, le salon de gaming de M. Smith a partagé une vidéo de 20 minutes qui parle de, je pense que c'est 10 ou 15 détails dans le jeu que les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais c'est des petits détails qui font toute la différence dans le jeu. Ça donne un exemple du souci du détail, justement, puis du travail qui a été mis dans ce jeu-là par les développeurs. C'est un incontournable. C'est j'aime. Ouais. Moi, je prends le temps, des fois, là, il y a des moments là, où est-ce que j'arrête, là, puis je vais voir, je me promène, puis juste pour regarder des détails, tu dis comme, il y a vraiment quelqu'un qui a fait la recherche, qui est allé faire ça pour, mettons, un 3-4% du monde qui vont prendre la peine de le regarder, mais ils l'ont fait quand même. Il y a des endroits dans le premier, c'était quand même aussi, mais il y a des environnements où est-ce qu'on va, qu'on se promène dans la ville, sans rien dire, mais on va voir où il y a des affaires sur les murs, où est-ce que c'est même dans, ça peut être dans des restaurants, ça peut être dans des musées, ça peut être dans plein de choses, qu'on va voir des choses écrites comme souvent dans les jeux, c'est assez, tu sais, les textures vont être assez pareilles. Ça, viennent à se répéter, genre si tu mets des graffitis, à un moment donné, à chaque 5-6 graffitis, tu vas revenir au début, tandis que là, ils sont tous différents. Puis, ils ont des messages aussi à, tu sais, qui t'aident dans le jeu. Le jeu c'est un couloir quand même linéaire parce qu'on ne peut pas aller partout au niveau de l'exploration parce que c'est une histoire qui suit bien. Mais on sent pas qu'on est pris par la main pour continuer non plus. Tu sais, ils nous laissent le temps de se déposer puis de continuer. Sauf quand tu restes là vraiment, vraiment trop longtemps, ben là, t'as L3 qui arrive pour dire, hey, va-t'en par là. C'est comme, c'est drôle. En train de looter. Puis il arrive, pour moi, il arrive trop vite, là. Tu sais, c'est comme drôle. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment drôle. Mais, c'est drôle parce que je regardais justement, je regarde quelqu'un jouer. Je le fais quand je suis pognée, puis là, je sais vraiment plus où aller parce que c'est pas clair à 100% où est-ce que tu vas t'en aller. Tu sais, c'est pas comme dans les anciens jeux. Puis je pense que Uncharted, c'était ça aussi. Tu sais, t'avais comme de la peinture jaune qui apparaissait quelque part. Tu te disais, hey, regarde, c'est là que tu t'en vas. Là. Tu sais, tandis que là, tout est mélangé dans le décor. Fait que c'est pas toujours évident.
Non, puis ce que j'ai aimé, du moins de ce que j'ai vu, parce que comme je l'ai dit, moi je regarde quelqu'un y jouer, je vais y jouer plus tard. Mais ce que j'ai aimé vraiment, c'est ce côté liberté du jeu qui est beaucoup moins linéaire, sans non plus ne pas l'être du tout. Il est beaucoup moins linéaire et te laisse beaucoup plus explorer. Effectivement, comme vous dites, c'est assez drôle parce que la personne que je regarde fouille beaucoup, adore fouiller. Et c'est quand même drôle qu'après même pas une minute, le jeu dit « Ouais, c'est par là !» La personne qui joue, quand même. Je sais, mais je veux pas y aller. Plus tard. Laisse-moi y aller un peu, ouais. On peut-tu désactiver, ça? Je sais pas si on peut. Probablement, parce qu'il y a énormément de personnalisation dans les options. Fait que peut-être qu'on peut l'enlever, ça aussi. Parce que moi, si j'avais un reproche à donner au jeu, ouais, c'est L3. Ça. L3, il arrive bien trop vite. Ah, puis je sais que le jeu est extrêmement accessible. J'ai vu beaucoup d'articles, tout ce qui est au niveau de l'adaptation pour les daltoniens, pour les personnes avec des problèmes auditifs, pour les personnes avec des problèmes de vue. Puis je trouve ça bien. Je trouve que pour un jeu comme ça, qui va sans doute, encore une fois, marquer une génération, toute plateforme confondue, c'est important d'être le plus accessible possible pour que le plus de personnes possibles puissent vivre l'expérience qui est. Faut traumatiser le plus de gens possible. Voilà. Ouais. Ben c'est The Last of Us, c'est un peu comme Game of Thrones, hein, dans le sens que t'as tout le temps peur de t'attacher aux personnages, aux différents personnages, parce que tu sais jamais si le développeur va décider de tuer le personnage, tu sais. Oh my god. Hey, dans Game of Thrones, ça a été tellement. Ben oui, ben c'est là, ça. Dès le premier épisode, tu es comme, ok. C'est là que ça s'en va. Ouais, non, c'est ça. Là, t'es comme, attache-toi. Ben, j'ai l'impression, moi, comme je vous dis, je suis vraiment juste au début du jeu, mais j'ai cette impression-là de. Mais je veux pas m'attacher à personne, moi, je veux pas être triste. Je m'attacherai pas. Je vous aime pas. C'est le genre de jeu, tu sais, comme Anthony, tu disais, on préfère un spoiler cast à un moment donné, mais tu sais, c'est le genre de jeu que. On parle avec du monde, puis on dirait qu'on veut jamais rien dire parce qu'on veut pas leur gâcher l'expérience. Ouais. Parce que l'expérience qu'on a vécue, nous autres, c'est en ne sachant pas ce qui allait arriver, puis c'est pour ça qu'on est des merveilles qui nous attachent. Fait qu'on dirait qu'on veut en parler, mais on veut pas en parler en même pas temps. Trop. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Traumatisant. Comme tu disais aussi, moi, ça m'avait fait ça avec le premier. Je me souviens, parce que je me souviens encore de ce que la fin du premier m'avait fait. Oui. Puis ce que lui me fait encore, c'est. Oui, c'est un beau, il est super beau. Oui, il est le fun à jouer. Il est super complet, mais c'est surtout, comme tu dis, c'est comment ça va jouer sur nos valeurs, ça va jouer sur notre façon de penser. Je n'avais parlé un peu il y a deux semaines. C'est comme, on est habitué à la violence d'un jeu vidéo. On est habitué à ce que ça soit un peu irréel, mais là, c'est tellement quelque chose qui pourrait se passer. C'est tellement bien écrit que ça vient vraiment nous chercher. Il y a des moments où on fait des choses dans le jeu, puis comme, on vient de faire ça, là, vraiment, OK, mais pourquoi? Puis on se pose, puis c'est ça comme tu disais, moi aussi, ça me reste dans la tête, puis ça va me rester longtemps, puis oui, c'est pour ça aussi que quand on fait des tops comme ça, qu'on essaie de parler de jeu, tu sais, il est pas totalement sans faille, le jeu, sauf que quand ça te marque, puis que ça te marque pendant des années, pour moi, c'est réussi, puis c'est des jeux comme ça, moi, qui me font aimer, en fait, des jeux vidéo, là. Ouais. Non, c'est bien dit. Moi, comme je te dis, je trouve que ça parle beaucoup d'empathie dans ce jeu-là, parce que tu dois toujours te mettre dans la peau de l'autre, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez. Bizarrement, je pense qu'il y a juste un autre jeu que j'ai vu comme à prendre cette approche-là, puis c'est le dernier Call of Duty. Tu sais, la campagne. La campagne avait quand même un impact où est-ce que tu voyais les deux côtés de la médaille de la guerre. Alors, comme The Last of Us 2, ça a été extrêmement choquant pour plusieurs, etc., etc. Ça a fait polémique dans les médias, etc. C'est la même chose avec The Last of Us. Quasiment pour les mêmes raisons. Exactement. Ouais. C'est juste parce que les gens sont tellement habitués que lorsque tu vois de la violence, que ça paraît que c'est irréel, puis. On est habitué aussi à la coquille de good guys and bad guys. Ouais, c'est rare qu'on ait mis entre les deux. Ouais. Mais il n'y a aucun gris et aucune fusion, tandis que là, ils sont vraiment allés ailleurs. Ah ouais. C'est fou. Parce que tu sais pas qui sont les bons, qui sont les méchants, parce que c'est dans un monde où est-ce qu'il pourrait arriver. C'est une question de perception souvent aussi. Pour moi, eux sont bons, eux sont méchants, mais pour quelqu'un d'autre,
les autres vont être méchants, puis les autres vont être... Tu sais, c'est comme... C'est ce qui est intéressant aussi, parce que ça pose des dilemmes, comme vous l'avez dit les deux, ça pose des dilemmes sur la vie réelle, puis tu te demandes à la question, tu es capable de te mettre dans la place des deux camps, puis t'es comme, bah, tu sais, les méchants, bon, je les aime pas, mais je peux comprendre pourquoi ils agissent de même. Ils ont des raisons d'agir comme ça. Exact, ouais. C'est tout à fait normal, et que peut-être moi-même, dans cette situation-là, peut-être que... T'aurais été dans cette équipe-là. J'aurais été dans cette équipe-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, jouez-y! Voilà, c'est ça. Mais avant qu'on termine, là, Mel, on t'a pas fait beaucoup participer, mais y'a-tu des jeux que toi, cette année, dans ton top 10, qui aurait fait la liste? Ben, ceux que vous avez nommés, c'est sûr. Si je parle à celui que j'ai le plus joué, c'est Animal Crossing, parce que j'ai 120 heures dedans, puis je fais jamais 120 heures dans un jeu, là, fait que ça, c'est juste quelque chose de spécial. Récemment, The Last of Us 2, ça, c'est sûr qu'il est dedans. J'y avais pas donné de note parfaite, mais ça veut pas dire que pour moi, c'est un jeu qui m'a, tu sais, qui est pas venu me chercher pareil. J'ai pas super réfléchi aux autres jeux, vraiment. Parce que, je sais pas, j'ai comme pas réfléchi, mais tu sais, tout ce que vous avez nommé, c'était des bons choix. Là. C'est bon. Je peux pas dire. Merci. Wow! Wow! On est en train de perdre Mel. C'est le temps d'arrêter. Littéralement. ce qui est merveilleux, c'est qu'il reste une autre moitié d'année, puis que je peux vous garantir que cette liste ne sera pas la même du tout d'ici la fin de l'année, c'est sûr et certain. Il y a encore énormément de bons jeux qui s'en viennent. On n'a même pas sorti encore. On a encore des Cyberpunk, Paper Mario, Ghost of Tsushima et toutes les surprises que Nintendo nous ont même pas dit encore qu'ils risquent de se retrouver dans des tops d'ici la fin de l'année. Fait. Ils n'ont pas dit encore Nintendo, à part Paper Mario. Breath of the Wild 2. Ouais, ben c'est ça, peut-être que ça pourrait apparaître. Puis, on ne sait pas. Sans oublier Marvel Avengers, je ne sais pas si ça va être un bon jeu, mais Marvel Avengers, le nouveau Crash Bandicoot, Star Wars Squadrons. Plein de nouveaux jeux. Ouais, là, je suis pas sûr que ça va être du top, mais. Star Wars, même chose aussi avec. Star Wars Squadron? Ah, je sais pas. Non. Iron Man ça... VR, peut-être que. Non. Écoute, je pourrais vous en parler prochainement. Mais à noter d'ailleurs pour Cyberpunk, qui ne pourra pas être de la cérémonie des Game Awards pour l'année 2020, parce qu'il va sortir après la date d'admissibilité qui, l'année dernière, était le 15 novembre. Donc, il va sortir juste après cette date-là. Donc, ça va... 4 jours après. Ouais, fait que ça risque d'être sans doute le jeu de l'année, mais 2021. Et non pas 2020. Un peu comme il est arrivé, je pense que c'est Super Smash Bros. Il y en a plusieurs qui vont arriver dans cette vague-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont sortir fin novembre. Oui, à cause des nouvelles consoles, notamment. À mon sens, c'est ça. Fait que ça va peut-être être 2021 qui va être une grosse année pour les Game Awards. Effectivement, peut-être. On verra bien. Mais Avengers, j'ai regardé leur truc de présentation, puis je veux être impressionné, ils m'ont dit que j'ai des réticences. Moi, j'ai des réticences sur la manière. Ouais, j'ai des réticences sur la manière, mais j'ai un feeling que je vais apprécier parce que c'est Marvel, puis ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu Marvel de cette qualité-là avec ce budget-là. Je pense moi, j'ai hâte de voir comment... Ben, en fait, ça va dépendre, je pense, comment l'histoire va se développer, comment l'histoire va s'imbriquer dans le gameplay aussi, parce que moi, je l'ai jamais caché aussi. Moi, je suis une grande fan de Miss Marvel, que pas beaucoup de monde connaît, que moi, je lis en bande dessinée, puis de savoir qu'elle fait partie de l'équipe principale, puis qu'elle rentre dans le team des Avengers, moi, ça va être pour elle que je veux jouer à ce jeu-là. Ouais, puis elle a mis pas mal de l'avant, en plus, là. Mine de rien, ça fait 5 ans que Crystal Dynamics a terminé Rise of the Tomb Raider, leur dernier jeu. Déjà 5 ans? Ça fait 5 ans que c'est sorti en novembre 2015. Il avait fait longtemps. Shadow un peu avec Edith Montréal, mais c'est vraiment plus Edith Montréal qui l'avait fait. Fait que ça fait longtemps quand même. Là. On a espoir. On a des amis chez Eidos, fait que on regardera si on a des... excellent. Fait que je pense que ça conclut. Est-ce qu'il y a des jeux? Bon, on a parlé de Ghost of Tsushima.
on a parlé de Iron Man VR. Marc, toi, tu Trackmania sort aujourd'hui. Alors, c'est, ouais. Mais il est déjà gratuit sur l'Epic Game Store. Alors, exactement. Donc, la version gratuite, moi, j'y ai joué toute la journée. donc, ça va être pas mal de jeux de course pour vrai ces derniers temps. Il y a NASCAR Heat 5 qui va sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a F1 2020 aussi qui s'en vient avec un gros mode de jeu qui va te permettre de créer ta propre écurie de Formule 1. Ça risque d'être pas mal course automobile pour ce mois de juillet et je vais jeter un œil très attentif à l'avis de Kevin sur Ghost of Tsushima parce que l'univers m'intéresse beaucoup. Et même si le gameplay ressemble beaucoup à des Assassin's Creed ou des choses comme ça, ça reste que moi j'aime beaucoup les jeux d'aventure action à la troisième personne. C'est pour ça que tantôt je niaisais en disant que je voulais un autre Tomb Raider. Même si c'est la même chose, j'aime ça. Fait que j'ai très hâte de voir l'avis de Kevin sur Ghost of Tsushima qui va pouvoir sans doute nous en parler sur le prochain podcast qui va tomber. Oui, tu vas pouvoir en parler le prochain podcast. Ben oui, parce que l'embargo, c'est le review sera sur le site le 14 juillet à 10h. Et notre prochain podcast sera le 15, alors exactement. On va pouvoir en jaser de long et en large. Excellent, puis en plus, d'ici là, Paper Mario sera pas loin de la sortie. Ouais. On va peut-être pouvoir en parler, rendu là, on verra. Là, j'avoue, 17 juillet également, la même journée que Ghost of Tsushima. On a pas... Ouais, écoute, c'est deux jeux tellement similaires qui vont se faire compétition. pareil. Fait que c'est ça, ben écoutez, ce que je dis cette semaine, c'est qu'on va être plus régulier, on va être de retour dans deux semaines exactement, donc mercredi le 15, c'est ça? Ouais. Je me trompe pas, mercredi le 15. Exact. Et puis, quitte à ce qu'on soit un moins, c'est pas la fin du monde, on va juste s'arranger pour être de retour de façon régulière. Si Kevin n'est pas là, c'est pas grave, là, tu sais, vu que c'est lui qui... Ouais, c'est ça, exactement, on parlera d'autre chose. Alright, alors c'est tout pour ce 27e chapitre. Merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit dans deux semaines. Allez, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye, bientôt.